Il est où? Là, j'en reprends 50 et c'est bon. Ok, bah laisse-moi lui re revendre le reste. Après, on peut demander à Vas-y quelqu'un. si tu veux. J'ai trouvé une meuf moi pour eux tout à l'heure, il faut que t'en trouves une deuxième. Ok, j'appelle. Elle s'appelle comment ta meuf? Tania. Ok. Mais je vais lui dire de s'appeler Mélissandre pour l'occasion. Et il faut me dire combien on les paye aussi. Ouais. Putain, mais elle me raccroche toujours au nez, cette pute. Oh là Sacha, là les elle est pas gars, là. on est riche, on est Vas-y, viens, riche. on va récupérer un véhicule. Bah d'abord faut les appeler, ils sont où? C'est bon, je lui ai envoyé la position, il arrive le chercher, t'inquiète. Ouais mais il y a 20 brochettes dedans, j'ai envie de leur vendre moi. Vas-y, si tu veux, mais je sais pas s'il va les vouloir. Hein. T'inquiète. Moi, tu me donnes de l'air et je peux le vendre. Ah, il me faut une autre phrase, t'as vu. Moi, je pourrais vendre des écouteurs à un sourd. Pas mal celle-là, non? Tu pourrais vendre des lunettes de vue à un aveugle. Non, mais celle-là, elle est connue. Moi, tu sais, je pourrais vendre des gants à un manchot. Wow. Je suis arrivé devant lui. Salut les motards. Ah putain, les gars, faites gaffe. Ouais. Des gens qui ont des tumeurs ici, putain. C'est quand une tumeur. Ah, personne, c'était une blague. Qui c'est qui est mourant? Okay. Wesh mon frère, ça va mon Ou frère? Alors mon camtar, Ronald, il il est là, c'est regarde, bon, il est là bien. Ton camtar. Ouais. Et en plus, Ouais, regarde. bande de trous de balle, Ronald, garez-vous correctement avec vos autos, faites comme nous, je fais mettez un vos cadeau lignes. pour toi et tous tes amis. On a laissé 20 Écoutez. brochettes dedans. 20 brochettes de poulet préparées par un chef. Un chef Oui. réputé. 20 brochettes, tu te rends Et... compte? Ah ouais, parce que je voulais vous faire payer le prix de l'essence, Un trou de balle. des Bah non, mais kilométrages, tout ça. moi c'était pour te faire, pour te remercier Ouais, j'achète ta pour moto, voilà écarte-toi quoi. ouais, Comme c'est les autres. bon, j'apprécie le geste, Pas de je vais en soucis. faire de même, vous avez rien Ok. à me payer. Est-ce que je peux prendre ton numéro, Ronald, comme ça, si j'ai des livraisons à toi, toi aussi, Attends, Tobias? laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est pour parler de Mélissa et de Paola, moi je suis d'accord. Ouais, Vous en tu m'as faites l'air pas. déconfiance. Ouais. Alors, 5. Ouais. 5. Ouais. 5. Ouais. C'est bon, quoi, c'est. 7. 9. Ouais. On dit pas 9, on dit 6 à l'envers. 6 à l'envers. Mais il a décidé de 5. péter les couilles aujourd'hui. Ouais. Ah. Et tu veux qu'est-ce que je répète? Bah, ouais, 5, 5, 5, 7, 9, 5, et après? Allô? Eh, monsieur Deb. Ouais, tu me reçois? Hein? Mais là, il a perdu ses langues ou quoi? Alors, 5, 5, 5, 7, 9, 5, et après, c'est quoi? Quand t'as une bagarre à l'hôpital, toi. C'est 1. Ok. Ouais, tu me dis, si tu veux, qu'est-ce que j'ai répété? Ok, et je vais voir pour Mélissandre tout de suite. Attends, je t'appelle pour voir ouais, si ouais, ton numéro carrément, est bon. Oui, carrément, Mais oublie pas Paola. Ouais, enfin, Mélissandre d'abord, quoi. Ouais, on avait dit Mélissandre ouais, au début, c'est le deal. Ouais, mais Paola mais aussi. Allô, ouais, allô, c'est qui? Qu'est-ce que je puisse faire pour vous? C'est qui? Quoi? Comment c'est qui? Ah, c'est qui m'appelle? Je vous appelle pas, qui serait à côté? Allô? Allô, allô. On me reçoit? Ben oui, carrément, vous êtes qui? Bah, c'est moi, t'es con ou quoi? Oh merde, c'est que j'étais pris dans ma tête là. Pas de problème. Dès que je suis au téléphone, moi le monde s'efface quoi. Ah, c'est y a un pas de truc. Problème. Bon, si vous voulez, on vous enverra une position pour venir rencontrer votre dulciné tout à l'heure, y'a pas de problème. Ouais, carrément, ouais. Ok. Est-ce que vous vous avez un véhicule à nous. Parlez de moi un peu. Un véhicule à nous prêter ça, pour qu'on se casse d'ici? Une bécane? Ouais, t'inquiète. Y'a mon camtar. Ah bah non, je suis con. Bah ouais, le camtar, on te le rend. Tout le monde a sa moto là? Moi je déteste ces bouseux. Ah, mais ils vont nous faire faire plein d'argent. Garde-toi. On récupère un véhicule. Dépose-moi devant le casino, faut que j'aille chercher. Y'a Ricky veut nous parler. Ouais. Il a dit nous. Ok. Bah, va je voir pense Ricky. C'est pour mon avenir. Ouais, t'inquiète. Okay. Bah, il est là, il est là, il est là-bas au fond. Vas-y, vas-y. Ok. Faut que je te paye après. T'as dit quoi? Faut que je te paye après. Ok, vas-y, je te fais confiance. Ouais, non, mais t'inquiète, mon frère, hein, je te fais peur, confiance. En plus, j'aime pas trop les surprises, mais là. Mon pote, à la compote, à la capote. Ricky! Ah, celui qui parle mal! Je te prie. C'est qui toi parle? Je le vois non. pas. Quoi?
Il est où? Non, 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 dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, putain. C'est qui crie? Ça, ma radio, elle bug, je crois. Ah ouais, peut-être, ouais. J'en ai marre des vannes sur ma tôle. Et non, il faut pas lui dire qu'il est petit. Ah, ok, 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 ok. C'est un gars, moi, ok. Ah, ok, ok, okay. De Miami aussi. Dis-lui que... Ouais. Dis-lui simplement que tu l'avais pas vu, c'est tout. Ah, désolé, je t'avais pas vu. On se connaît pas encore, mais je t'avais pas vu. Ah, ok. Ouais. Non, c'est juste que j'ai la tête en l'air. Il a la tête en l'air, tu comprends? Okay, okay. Du coup, il a pas vu. Okay. Du coup, je te présente. Je te rappelle, je t'ai parlé d'un manager tout à l'heure. Ouais, ouais, il fait de la musique aussi? Non, il manage avec moi, lui. Il s'occupe de la production de films, tout ça, etc. Ah, lui okay, qui okay. fait les plus belles cascades dans le monde du cinéma. Ouais, il fait plein d'autres choses. On touche à tout, on touche à tout, on gère tout. On est quel type je suis un grand homme, tu comprends? Je suis quelqu'un de grand. C'est quelqu'un grand, de l'intérieur, tu comprends? Très, très grand. Ouais. Voilà. Mais toi, t'es manager de qui? De quoi? T'as réussi dans ta vie, toi? C'est le futur, c'est le futur, petit. C'est le futur, t'inquiète pas. Pourquoi il me crie dessus? Non, il te crie pas dessus, il parle juste fort, tu sais. Ok, ok. C'est un peu comme les Méditerranéens. Non, tu tranquille, sais, ils moi bien je. Gueulé. Ouais, bah, après, tranquille. Eh, écoute, petit, moi j'ai. Petit, pardon, garçon, j'ai. Donny, comment ça? Donny, appelle-le. Bah, Donny, s'il te plaît. Il va péter un câble. Ricky, dis-lui quelque chose, Ricky. Non, ça va. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, Donny. Donny, moi je produis plein d'artistes, bah, assez réputés, hein. Et là, je suis en train de réaliser l'impossible, tu vois. En plus de faire percer des artistes compétents. Je suis en train d'essayer de faire percer des incompétents. Et là, c'est un peu un challenge, voilà. Ici, c'est lui. C'est un incompétent. Non, mais... on s'occupe des compétents, ne t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. D'ailleurs, j'ai des personnes à te faire rencontrer ce soir, si c'est t'es plus, prêt. C'est plus des challenges qu'autre chose, tu vois, je me mets attends, des attends, c'est un musicien, lui, là? Ah ouais, t'inquiète. Ouais. On a inventé un tout nouveau style de musique. Et pas prêt. Je veux écouter un extrait tout de suite. Tu veux écouter? On a fait... Écoute juste ce qu'on a créé. Mon Dieu. Vas-y. De la salle Zumba. En gros, je t'explique. Ce mec-là, il a envie de se suicider depuis des lustres, ok? Et Ricky, lui, il m'a dit, écoute, dans cette ville, les gens, ils ont besoin de danser, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de rigoler. C'est vrai, c'est ce que tu m'as dit, Ricky. Ouais, exactement. Et moi, je t'ai dit que la dépression, les trucs comme ça, les gens, ils aiment bien aussi, des fois, quand ils sont pas bien, ouais. Ils aiment bien écouter ce genre de trucs. Du il coup, a pas tort, Ricky, il a pas tort. Du coup, ouais, mais quand dit, ils sont dans leur chambre, en train de pleurer, mais tu vois. Sûr. Mais moi, je me suis dit, on va allier les deux et on va créer un nouveau style, la Sad Zumba. La Sad Zumba. La Sad Zumba. Envoyez-leur le premier extrait. Ouais. Et écoutez-moi, attachez-vous bien. Ok. Kazo. Marre de ma vie, Simteyo. Je suis en haut de mon immeuble, à 70 mètres de hauteur. Suicide, les gens sont que des menteurs. Menteurs, sourire c'est pour les tricheurs. Tricheurs. Alors t'aimes bien? Vous avez tous le seum. Le seum. Dans tous les cas, je baisse vos reins. Vos reins. Je m'appelle Kazo, je suis Barjo. Barjo, je me défonce le naseau. Naseau. J'ai perdu Boubaba, Baba. Ma vie n'a plus aucun sens. Pas son sens. J'arrive pas à me suicider. La vie me fait aucune passe D. Passe D. Oh hey, je me fais tabasser. Gars, j'ai toujours été humilié. Kazo. Le faire 4 sur l'ol est dur à assumer. Chaco. Ça fait 2 ans que j'ai plus de PC. Je suis à 70 mètres de hauteur. Hauteur. J'attends ma dernière heure. Dernière heure. À 70 mètres de hauteur. Hauteur. J'attends ma dernière heure. Pas mal, non? Chaco Kazo. Voilà, vous voyez, ça c'est. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ah, c'est merveilleux! Incroyable! C'est noir, c'est noir, c'est noir. Écoute, je le mets jamais dans mes putains de concerts, c'est bien compris. Ah. Très bien. On se rappelle après. Je dois ramener. Comme vous avez dit, il faut vraiment que ça reste dans votre chambre. Ouais, exactement. Que ça reste bien dans la chambre. Dans la chambre, ça cartonne, ça, dans la chambre. C'est waouh. Qu'est-ce qu'il a dit? Incroyable. Putain, mais Ricky, appelle l'ambulance et fais en sorte qu'il soit soigné. J'ai une tumeur. Putain, Donny, je t'ai dit de pas faire ça, putain. Le respect, putain, Ricky. Ramène-toi. Désolé encore, on se rappelle après, hein. Appelle l'ambulance, putain. Ramène-toi, avance. Je vais mourir. Fils de p...
Putain de merde. Enculé son ambulance. Putain, Tony, qu'est-ce que tu fais? Mais sa musique de merde, là. C'est un manager. Je te jure. C'est un manager, putain de manager, putain. Je te jure, il aurait pas de gun. J'aurais tué. Tu m'as dit que tu me protégerais, Kazo. Non, mais je te jure, il avait un gun, là. Il m'a sorti un pétard. Ah. Je te jure qu'il aurait pas un gun, j'aurais planté. Tu m'as dit que tu me protégerais. Mais je te protégerais jusqu'au bout, mais là il avait un gun. Sinon c'est nous deux qui est passé. Oh putain. Ah. Faut absolument stopper l'hémorragie. Non mais je sais pas comment on stoppe, attends, je vais sucer le sang peut-être. Non, faut pas. Heureusement qu'il est minuscule et qu'il peut pas atteindre mon thorax, hein. Il a juste touché ma cuisse, mais bon. Ah. Putain, je te jure, si ça aurait tapé un petit, j'aurais tapé. Ah, s'il avait pas été petit, je serais mort, là. S'il touchait rien, n'importe quoi qui est au-dessus, n'importe quel organe, je serais mort. Heureusement qu'il fait 1m20 et que... Vas-y, bref. T'as appelé une ambulance? Ouais, j'ai appelé une ambulance, mais je sais pas s'il y aura des ambulanciers. T'as pas des bandages ou un truc comme ça? Non. Putain. À la limite, je peux te prêter mon caleçon, mais j'ai envie de le garder, quoi. Non, j'en veux pas. Ça va infecter. Ah, du coup, je te jure que je t'aurais défendu. Faut gérer le truc des gonzesses, là. Oh, putain. Je vais essayer de me relever. Ah. Allez, relève-toi, putain, sûrement, on rentre avec. Ah, attends. Style de marche. La vie, ça fait mal, mais on se relève à cheval. Ah, bien sûr. Vas-y, viens, putain, sur moi, allez. Ok, 2 secondes, faut que j'aille parler j'arrive. Putain. La cam. En vrai, les gars, dans ce genre de scène, tu vois, s'il y a la cam, vous allez voir que je rigole. Du coup, ça nique le sérieux de la scène. Alors que je suis mort de rire. Excusez-moi, madame. Vas-y, la team. Bonne soirée, messieurs. Je récupère juste ça. Hop. Allez-y. Oh, John. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va quand même. Ça fait quoi là? T'es occupé? Ouais, je dois vite fait faire un truc et après je t'appelle. Ah, je comptais te parler. Vas-y, vous pouvez laisser le boss passer, s'il vous plaît, messieurs. Écartez-vous. Merci. Ah, Rachid, viens. On va te montrer c'est comment la rue, la vraie fils de pute. Maintenant, on est dehors, tu vas faire quoi? Normalement constitué. Dis-le. Aïe. Normalement constitué. Oh John, ça va? Ouais, ça va. Ah mais c'est le week-end. Oublie pas que ce week-end on doit bosser, hein. Ce week-end, vas-y, je suis chaud. On va louer quelque chose à la montagne et on va aller faire de la musique. À la montagne? Ouais, t'inquiète, à la montagne pour ressentir la nature, tu vois. Et voilà. Ouais John. Plavio, on peut parler pas la parade tout à l'heure. Ouais, y'a pas de problème, vas-y. Juste un plaisir. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Je suis tombé et avec ma chute, j'arrivais pas à me relever, du coup. Je me suis dit que la vente à McCornack suffisait pour ce soir. Donc tu plantes ta soirée? Ouais, c'est pas grave, tu me payes pas ce soir, y'a pas de problème. Si, bien sûr que si, tu as fait une vente à $24,000, tu es malade. Ouais, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. J'allais dire quoi, qu'est-ce que tu as attendu de la part des deux mecs avec les casquettes? Bah, ils sont arrivés en mode chantier, tu vois, et ils passent pour moi. Et là, je me dis, c'est bizarre, des mecs comme ça qui viennent au casino en mode chantier. Tu m'as jamais parlé de travaux à part pour la roulette, mais de toute façon, c'est pas le moment. Et là, je les entends, ils parlent, ils vont pas nous repérer, on va dire qu'on vient pour les travaux, tout ça. Et après, j'ai entendu le mot braquage, j'ai essayé de les suivre, mais ils parlaient très doucement. Et j'ai entendu le mot braquage. Et tu les as croisés où? Devant l'entrée, en allant justement à la rencontre de monsieur McCornack. Je les ai croisés devant l'entrée. Ok, d'accord. Et ils sont pas venus après, deux mecs avec des... Si, ils sont venus, ils sont entrés tout à l'heure, je leur ai demandé où était le contrat car je n'avais rien reçu par mail. Ouais. Et très clairement, on m'a affirmé que c'était des personnes qui voulaient tenter de braquer par l'entrée qui avait été faite il y a quelques jours. Ah bah voilà, donc, c'est bien, je me suis pas trompé là-dessus alors.
Moi et mon frère, on va s'en occuper ce soir. Mon père, vous avez besoin d'aide? Non, 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 ça ne... on va dire que ça ne te concerne pas, John. Ok, pas de problème. Ton rendez-vous s'est bien passé, John? Ah ouais, ouais, ça, il n'y a que du mieux là qui arrive. Mais bon, dans la petite chute que j'ai fait, elle m'a fait un peu mal à la jambe, du coup... On n'a pas compris ce que tu nous as dit avant de partir tout à l'heure. Il m'a expliqué. Il t'a expliqué quoi? Par rapport aux deux mecs là, de chantier. Ouais, oui, voilà. ça, il a entendu, j'ai entendu, mais... Tout à l'heure, il est parti, il nous a dit... Attends, j'ai un appel. Excusez-moi. C'est tu t'as où, John, en ce moment? À l'hôtel. Bonsoir, j'ai pas besoin de plus en ce moment. Ah, pardon. Viens avec moi. Enchantée, madame. Vous êtes. Attends, deux secondes, Flavio. Je dois juste récupérer le numéro de Tania pour quelque chose qu'on doit faire tout à l'heure et après le travail. Ah oui, très bien. Être Tania, super sympa. Désolé de vous interrompre. Prends mon numéro, tu sais, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est le 8630, ok. Attends. 8630. Ok, super. On va peut-être avoir un appart de taré. Ils sont au Luxury Motors actuellement, c'est ça? Est-ce que tu m'entends? Allô? Flavio. Ouais. Les mecs de chantier viennent de se présenter au Luxury Motors également. Là, actuellement, ils y sont. Préviens, madame Norse. Ouais. Allô, monsieur? Oui, allô? Oui. C'est qui au téléphone? Oui, c'est qui au téléphone? Ok, mon petit chou, super, on fait ça pour les gens. C'est monsieur Pantera du casino. Peter. Exactement. Est-ce que tu m'entends? Allez, Samia, bonne soirée. Allô? Madame Pantera, à la prochaine. Allô? Oh là là, ce téléphone de merde, je vous jure. Au revoir, messieurs. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. En espérant. C'était bien au casino. Je suis désolée, j'ai pas consommé, mais enfin, j'ai juste bu trop de champagne à 1350 $. Je suis pas content, mais tranquille. Faut pas marcher droit. Faut bien payer l'endroit et le luxe aussi. Regardez l'endroit, il est somptueux. Monsieur le producteur. Ouais, ouais. Tu sais que Kirby, tu sais que lui, c'est le producteur de Kazo. C'est quoi ça? Il produit quoi? Du rap. Ouais, je vous en ai pas parlé, Flavio, mais ma passion, c'est la musique et sur mon temps libre. Moi, j'y connais rien, moi, j'ai pas fait de rap, franchement, tu peux pas m'entendre rapper. Hein. J'essaie d'organiser des concerts avec des jeunes artistes et tout. Tu veux rapper, Kirby? Si tu en as des bons, tu pourras faire ici un concert, pourquoi pas? Ah, monsieur, d'ailleurs, c'est quoi votre nom? C'est John. Ah ben, John, là, cette personne à côté de moi est une rappeuse hors pair. Non, je sais pas rapper, femme ta gueule. Tout le monde rappe. C'est la partie féminine dans votre label. Ok, notez mon numéro 8630 et envoyez-moi un message. Non, monsieur, je suis pas une rappeuse, vous voulez pas entendre ça, je vous jure. Il y a pas de problème. Si, mais. Au revoir, bonne soirée. Du mal à passer. 8630. Si vous avez d'autres artistes, envoyez-les-moi, je les ferai percer. Tu veux que je l'appelle? Venez. Bon, c'est nickel, bonne soirée. Eh, je vais t'offrir une carrière. Tu vas me remercier. Oui, tu vas devenir célèbre. Bah, c'est incroyable, les gars. Vous êtes qui, monsieur, au téléphone? D'accord, dites-moi un truc. Vous connaissez bien madame Norse? Ok, Ben, alors dites-lui bien que j'ai eu. Attendez, parce qu'en même temps, il y a la radio. Deux secondes radio, s'il vous plaît. Deux secondes radio. D'accord, elle a désactivé, wesh. Tu dirais à madame Norse de faire attention parce que moi, ils ont voulu rentrer dans le casino, je ne l'ai pas laissé et un de mes serveurs a entendu il a entendu le mot braquage. Je suis barman, je suis pas serveur, wesh. Voilà. Tant s'ils n'ont pas de contrat envoyé par mail ou par téléphone, ils n'ont pas le droit de prendre des mesures ou quoi que ce soit. On va dire que ma jambe, ça va mieux. J'en parlerai à la maître. Bene. Il n'y a pas de souci. Tu vas sonner au 1367. Ok. Ok. Venez. Ok, je vous suis, monsieur.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Tu te le poses ici pour ce soir, d'accord? Oh, merci énormément, monsieur. Merci beaucoup, je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Oh, merci énormément. Je te demanderai juste de ne pas inviter des personnes. Ah, je n'inviterai personne. Base, de base, c'est chez moi. Ok, pas de souci. Merci. C'est le 13-17, c'est ça, le numéro de chambre? Tu l'auras directement quand tu taperas ton nom dans le... au niveau du digicode. Bene, tu veux que je te laisse dormir ou tu vas descendre? Non, je vais descendre, j'irai dormir plus tard. Je dois aller voir des amis avant d'y aller. Ça va en ville, tout se passe bien pour toi? Ouais, ça va, je commence à me faire des contacts. Comme tu as entendu, je fais de la musique. Je fais de la musique, je suis producteur de jeunes talents, donc j'essaie de faire quelque chose à côté. Très bien. Si un jour, je vais le monter, j'arrive au casino. Vous disiez si un jour? Si un jour tu as des bons petits, des bonnes petites pépites, pourquoi pas faire un concert ici? Oh, oui, très bien, j'y penserai alors. Ok, bah, j'essaierai de réunir quelques très bons artistes pour un concert spécial. Suce-le. Suce-le, je veux t'entendre le sucer. Oh, attendez. Suce-le, je te dis, sinon je te mets une balle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Suce-le. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bien. Voilà, suce-le. Lèche le canon maintenant. Ok? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Sortez-le-moi de la boîte. Vas-y, suce-nous. Il s'est passé quoi, Landro? Il a mis une patate à Nera. Il a quoi? Il a mis une patate à Nera. T'as mis une patate à la mauvaise personne. Ça va, Nera? Regardez le micro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, gros, wesh? Putain, pourquoi ça m'a... Je crois que vous avez du mal à comprendre ici. Tu es quoi, son équipe? Hop là. Aïe! Ouais. T'as vu? C'est bon, pas? Allez, mon pote. C'est vraiment pas bon. Ici! Oh, on y va, c'est parfait ça. Bah où la meuf? Bah finis son service. Ok, faut que je m'habille autrement là. Ah non, on s'en bat les couilles de toi frère, c'est pas toi qui va la rencontrer. Ouais. Tiens, mets un peu de déodorant parce que vas-y. Dis-moi, j'ai un peu le cœur brisé là. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses vraiment que je pourrais percer ou pas? Non mais les écoute pas, bien sûr que tu pourras percer. En plus, je m'abandonne pas. Hein. Ah non, sinon je serais déjà parti. Non, mais va pas là-bas. Viens, on quitte l'occasion. Ok. J'ai une idée de tonnerre pour toi, mec. C'est tu quoi? Vois, la société veut pas te faire percer. Et bah, tu vas te faire percer toi-même. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Tu vas nous faire encore quelques sons sur le suicide et tout. Et dès que ça va tourner, ok? On va faire un faux suicide. J'ai étudié le marché. Ouais. Et les artistes morts, dès qu'ils meurent, et bah, ils décuplent leur vente. Donc il faut que je me suicide, enfin faut que je fasse beaucoup de soins et après je me suicide. Et après on va dire que t'es mort quoi. Et je me fais passer pour mort. Ouais, tu te fais passer pour mort, toi t'es encore en vie. Du coup bah là hop tu perces. Et après hop tu dis je vous ai pranké. Et au moins tout le monde va te détester mais au moins t'auras la visibilité tu vois, tu t'en fous d'être détesté. Bah non je m'en bats les couilles de ça, moi je veux juste du buzz. C'est ça. Comme ça je fais de la monnaie tu vois. C'est ça. Et après y a des gens ils vont te connaître, ils vont vraiment connaître, ils vont savoir pourquoi t'as fait ça tu vois. De toute façon t'as rien à perdre. Moi j'ai rien à perdre, de toute façon personne m'aime déjà donc bon. En plus j'ai peut-être un plan concert pour toi dans le casino. Le patron il commence à me faire confiance de ouf et tout. Tu penses que tu pourrais avoir l'audace de me mettre dans ça là? Si je te mettrais dans ça, faudra que tu me sortes des meilleurs sons quand même. Et ouais. Et va falloir que que t'assures sur scène quoi. Ouais mais moi j'ai du mal à enregistrer. Après tu niques mon business quoi. Ouais mais t'inquiète pas, j'ai vu avec le DJ et ce week-end on ira... On ira à la montagne, comme je t'ai dit, on va louer un petit appart pour un week-end. Et on va aller travailler là-bas, ok? Et je devrais dormir en dehors ou je pourrais dormir à l'intérieur? Non, je pourrais dormir à l'intérieur, t'inquiète. Et je suis pas obligé de prendre de douche? Non. Ouais, c'est bon alors, ça me dérange pas, ouais. Pas de soucis. Tu peux m'emmener à la banque, d'ailleurs, faut que je te paye. Ok.
Tu penses, tu vas me payer combien là? Bah, la moitié, 50-50. Et c'est quoi 50-50? Alors, j'ai payé 12 000 dollars. Et le mec m'a payé 70 000 dollars. Ouais. Okay. Et dis-toi que je l'ai fait au rabais. Hein. Parce que on compte travailler ensemble et j'ai besoin qu'il me poucave pas, donc je l'ai fait au rabais. Donc, 70 000 dollars. 50 000 dollars. 70 000 dollars moins 12 000. On va dire que ça fait 50 000, donc je te paye 25 000 dollars. 25 000 dollars? Ouais, en une demi-journée pour une livraison. Ça va, non? Ouais, bah j'ai perdu un peu de bénéfice, mais au calme, j'ai encore des poulets à revendre. Ouais. On a encore un stock de poulets à écouler. Oh putain! Oh, gaga, je tiens plus sur mes jambes. Non, mais au pire, mets-moi dans un distributeur automatique, te fais pas chier. Tiens, je te donne ton argent. Merci, John. Pas de soucis. Tu vois, je t'ai dit qu'on allait faire du business ensemble. Ouais, ça me fait plaisir. Tu veux qu'on se fasse un petit plan sous vite fait, là? Ouais. Merci. Vas-y. Et il me faut de la coke, mec. Pas pour moi, mais pour le mec. J'en ai rien à foutre. C'est quoi? Je te montre ce qu'ils en vendent. C'est quoi? Tu m'as ouvert un peu l'esprit. Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille chercher l'argent... Là où il est. Là où il est. Là, le mec, tout à l'heure, j'aurais pu me faire du bif qu'avec de l'alcool. Mais vas-y, tu sais quoi? Ah, viens, on se fait un style différent. Parce que, en fait, je t'explique, là, c'est un gang que je vais t'emmener voir. Et ce gang-là, il est toujours vénère, tu vois. Et il faut quelque chose qui impose un vrai style, tu vois. Ok. Emmène-moi dans Et moi, avec ma dégaine. Tu vois, moi, j'ai une sale gueule, tu vois. Donc, il faut que je trouve le moyen de me faire beau. De toute façon, il y a rien de mal, hein. J'ai juste à. Non, mais emmène-moi à la banque, s'il te plaît. J'ai envie de déposer. Ah, la banque. J'ai pas envie de me faire braquer comme la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, ton argent, tu veux la récupérer, tu veux le retrouver le mec ou pas? J'ai son visage et tout, moi. Ah ouais, parce que moi, on m'a dit que ce mec, il fallait mieux vaut pas traîner autour de lui. Ouais, c'est un malade mental. Attends, deux secondes, mental. Aïe! Allô? Désolé, Ouais, t'es occupé, là? Je vais juste me changer, sinon, il y a quoi? T'as quelque chose à me proposer? Te proposer... Non, on va discuter, déjà. Ok, bah t'es où après? Là je suis au casino, là je suis avec deux potes à moi. Et après? Après le casino? Ah et après je vais t'envoyer une pause ou je te récupère. Vas-y, tu m'enverras une pause et je viendrai. On discutera. Vas-y. C'est comment tu t'appelles déjà? Kaiden, c'est ça? Kaiden. Ok. Moi je suis dispo dans 10 minutes max. Hein. Vas-y au calme. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y mon ref. Tu connais un certain Kaiden? Je peux venir avec toi? Ouais, je connais, je peux venir avec toi en masqué. Ouais, si tu veux. Il a dit que il a dit que vous voulez discuter. Là, il y a une banque là. Ouais. Il y a des distributeurs, il y a tout. T'es sûr que tu veux pas déposer ton argent? Si. Je vais faire ça aussi. C'est de la moula. Kazo. Ouais. Tu penses qu'on leur donne combien aux filles? On leur promet des trucs qu'ils n'en auront jamais ou de soi. Je sais pas, 10 000 dollars en vrai, ça suffit. Ils vont pas chacune. Non, 5 000, tu veux dire. 5 000. 10 000 dollars. C'est toi qui as le sens des affaires. Ouais, 5 000 et c'est bon. Ok. Du coup, là, on va à ton rendez-vous, mais il faut que je m'habille autrement parce que moi, on me connaît trop par ce style. Ok. Attends, mon rendez-vous avec. T'as pas des gens un peu plus professionnels, un peu plus discrets? Pour acheter de la coke? Ouais. Non. C'est eux, je crois, qui ont que ça à vendre. Ok. Et je sais où trouver de la weed, tout ça. Non, mais là, eux, ils veulent de la blanche, ils veulent pas de... Ouais, ils veulent comme de la blanche, c'est ça. De la blanche, c'est ça. Ouais, de la farine, moi, je dis. De la farine, mais c'est cramé, quoi. Moi, j'ai dit de l'ours blanc. C'est éclaté, ça. Bah, personne va y penser, en fait. C'est Dracox. Oh, mais quel beau gosse. Regardez-moi ce beau gosse. Ça va? Ça va et toi?
Ouais, ça va. Ah, mais t'as que John. Regardez, les trois réunis. Bah, ce week-end, les gars, ce week-end, soyez prêts, ça va être la teuf. Mais ce week-end, ouais, c'est demain. Ouais, bah, demain. Bah, j'aime bien dire ce week-end en mode c'est dans longtemps alors que c'est maintenant. Faut que je m'habille comment? T'as ce soir là? Ouais, là, on va aller capter des potes là. Ok, ok. Ouais, on va une soirée un peu sport. Tu t'habilles comme tu veux, tu vois, mais t'as capté un style qui met en confiance. Ok. Vas-y, les bougos, je vous laisse. Moi, je vais au casino. Vas-y, bonne soirée, les refs. Faire pas tout, hein. Vas-y. Non, t'inquiète, j'ai de côté déjà. T'as combien de côté? 50 000. Ok, ok, ça va, ça va. J'attends ma paye lundi prochain. T'es payé combien par jour à ton truc là, le Beniz? Non, moi je suis au mécano, moi. Ouais, mais t'es payé combien? Je suis pas payé à la journée, je suis payé à la semaine. Et à la semaine, t'es payé combien? Bah, en fait, ça dépend ce que je travaille. Là, j'étais payé 35 000 pour une semaine. C'est tout? Ouais. Elle, pas trop, il se met bien. Combien t'as dit? 35 millions? 35 000. En combien de temps? En 10 minutes? En 2 semaines. Et moi, tu travailles? Mais frère, je charbonne. Non, tu travailles jamais, frère. Je t'ai jamais vu travailler. Mais la tête de ma mère, je travaille. Non, mais tu sais, genre, travailler, pas... Genre, bosser, quoi. Quand je suis mécano, je travaille. Mais t'as déjà réparé une voiture, à part la moto dégueulasse du début? J'ai réparé, attends, je te dis, hein, comment j'ai réparé. 59 véhicules. En 2 semaines? Ouais. Pas mal. Elle demande à être augmentée, c'est pas sérieux, le patron il se fout de votre gueule. Hein. Et il se fout clairement de ma gueule, mais... Que c'est mieux, tu travailles pas, hein, 35 000 en 2 semaines. Mais je pense que je vais aller au casino. Hein. Non, non, non. Il recrute pas au casino. Ouais, mais Flavio, je le connais, t'inquiète. Ok, bah ça va. Bonsoir. Tant que tu me voles pas mon job, ça me va. Ouais, bonsoir. Salut. T'inquiète, moi. Ah, ça va, Gato... Cazo. Cazo. Ça va ou quoi, Cazo? Ça va, et toi? Elle est pas là, truc? Non, elle est pas là. Putain de merde. C'est qui, truc? Sacha. Je sais qu'on prenne. C'est ma halal. Ah ouais. Halal? Non, je rigole, j'ai pas de halal. Je vais lui dire ce que tu viens de dire. C'est qui lui? Mais quoi, c'est affectif? Quoi, t'es une balance? T'es un mec bien, Karim, t'es un mec bien. T'es amoureux, Karim? Non, je suis pas une balance, t'inquiète, je garde ça pour moi. Moi, je suis. Non, j'ai pas d'amour. Pas d'amour, hein. Ouais. Un jour, je rêve d'être afro-américain. On devrait. T'as refait des TikTok, Gazo, ou pas? Oh, c'est pas moi qui fais des TikTok, c'est Wyatt. C'est pas lui, c'est Wyatt. Ah, je peux le dire. Il est où, Wyatt? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oh, il traîne, là. Je crois qu'il... je sais pas ce qu'il fait, je l'aime pas. Quoi, tu l'aimes pas? Ouais, il parle sur mon dos. Ah ouais? C'est fils de pute, alors? Ouais, c'est un fils de pute, clairement. Et tu lui diras de ma part si tu crois que c'est un fils de pute et que je le cherche, s'il te plaît. Ils ont pas de lunettes, ici? Ok. De quoi? Il y a pas de lunettes, ils vendent pas de lunettes. Si, les lunettes, c'est pas. Ok, t'aimes bien mon style là, Cazo? Ouais, j'aime bien. Les paires rouges, c'est bizarre, mais... Tu vois, là, j'espère un jour ressembler à un latino gangster. T'as vu, regarde, il parle comment? Fais l'accent. Il parle comment, le latino? Vas-y, fais l'accent. Ouais, olé, tranquille. Hein. La vie de ma mère. Mais comment est-ce, Cazo? Non. Sois plus... Et plus attention quand tu... Oh là là. Oh là oh là, la vie non, de ma mère. Non. Oh là oh là. Il imite bien les mecs. Oh là oh là. Oh là. Non. On dirait un vieux là. Oh là oh là. Voilà. Voilà. Si, ouais, Miriam. Si, comment estás? Comment estás? Cazo. Écoute-moi. Comme ça, frère. Si, oh là oh là. Comment estás? Tranquille, moi bien, pinche pendejo. Pas mal. Je t'ai mis ta mère là. Ouais, t'es bon, Karim. Non, por favor. Hey, no. Je me tue un narcos. Tu te niques ta mère là. C'est quoi? Non, por favor. Non, niquez ma merde. Oh, la vie de ma mère. Il est où mon million de dollars là? Il est où ma tonne de cocaïne? Elle est où là? Non. Donde sabe la cocaïne? La cocaïne. Tu l'as pas la cocaïne?
Non, tu non. Dans les yeux là maintenant. C'est ça, pinche pendejo. Suburban, Suburban. Quoi, Suburban? Pourquoi tu parles du magasin? Ah, t'as la référence. Eh, quand même, je suis pas un trou du cul. Mais pourquoi je me prends pour un voyou alors que je suis qu'une sombre merde? Putain. Ouais, moi mais aussi, non, wesh, Karim, arrête. Je suis pas une merde. Bah non, mon ref. Jure que je suis pas une merde. En plus, t'es beau gosse. T'es, regarde, ça, ça, ça. Elle est incroyable la tenue là, j'ai fait ou pas? Ah, incroyable. Tout putain, est accordé. Je... Mais moi, j'accorde tout le temps. Oui, s'il te plaît. Vivette. Wyatt, moi j'aime trop Wyatt. Je veux traîner avec Wyatt. Ça. T'as il est où le bandana comme Naruto là? Je voulais mettre ça. Bah, je te passe son numéro, c'est 2406. Ok. Tu lui envoies un message. Tu lui dis quoi? Bah, tu lui dis salut Wyatt. Non, mais, après, il va croire que je lui plais. Mais moi, je. Le bandana Naruto, il est où? Je le trouve pas. Il a faim. Je veux pas lui donner mon cul. Je veux lui. Mais il a déjà un mec qui s'appelle Vargas, je crois. Quoi? Ouais, il a un mec qui s'appelle Vargas. Starfall. Quoi, il. Il a. Non, vas-y, il est passif, ça, mais... lui. Lui, il se la prend, c'est ça? Ouais. Oh, l'autre. Wyatt, il se la prend, c'est ça? Ouais, c'est ça, je crois. Le casino, il ferme bientôt, hein. Elles sont où, les lunettes, Zebby? Hey, comme ça que vous dites, à gauche, non? À gauche. Là-bas, là. À gauche, à gauche, à gauche. Ah, ok. Jury ferme. Putain. Il n'y a pas de lunettes ici, bande de menteurs. C'est quoi ici? Ah non, c'est les boucles d'oreilles, c'est là-bas, bah, alors. C'est là-bas, alors, l'autre côté. Wesh, mais il y a le titan bestial là. Je suis vraiment trop frais avec cette tenue, putain. Regarde, il y a le titan bestial sur le mur. Ah ouais, putain. Dinguerie. Ok, deux secondes, je finis mon style là. Allô? Hey, qu'est-ce t'en dis? Ouais, ça va, ça passe, John. Pas mal, là, ils vont vraiment m'en vendre, là. Ouais. Hop. Hey, ouais, dis-moi, John. Tu connais Mamadou, t'as bien, je le connais. Ouais, mec. J'ai une idée. Ouais. Si Ricky t'aime toi pour les sons, ouais. Mais toi, il m'aime pas. Ouais. Si on fait un feat toi et moi, peut-être que là il se dira qu'il est obligé de me produire. Mais moi je suis pas chanteur, mec. Bah ouais, mais je peux t'apprendre, tu sais, moi j'ai un talent. Ah mais lui il m'aime bien parce que je sais gérer des chanteurs. Ah d'accord, ok. Mais il m'aime pas parce merde. Que t'as vu et moi tu sais pourquoi il m'aime pas? Non, je sais pas. Ok. Tu veux qu'on aille voir Kaiden là? Non, d'abord on va voir les mecs pour le... J'espère qu'ils sont là, hein. Bah appelle-les, non? J'ai pas leur numéro, mais ils me connaissent. T'inquiète, laisse-moi leur parler. Attends, bah tiens, je crois qu'il y en a un juste là-bas. Ah bah non, ok, vas-y. Non, ça n'est pas un, ça n'est pas un. Ouais, non, mais tu gères la conversation, je t'ai dit. Okay, toi, tu gères tout ce qui est parlotte. On fait un bon duo, hein. Moi, je gère tout ce qui est parlotte, j'arrange les prix, je trouve des business, je fais tout l'oseille et tout. Et moi, je prends toi... tout ce qu'il y a à prendre. S'il y a des risques à prendre et que je me fais péter, c'est moi qui prends les peines de prison, tu vois. Et tu vois, c'est ce bâtiment-là que je gère. Ouais? Ouais, c'est là où je fais du 5 000 $. C'est là, oui. J'ai pas trop le choix, c'est comme ça. Après, c'est un choix de vie, hein. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, Kazo, tu pourrais être un très bon artiste, hein. Bah ouais, mais il faut que je sache bien enregistrer. Non, mais déjà, en fait, si t'arrives à être meilleur en rap, en rythme, en rime, si t'arrives à mieux gérer les instrus, le flow... ouais. Bah mieux écrire aussi, être plus beau gosse, tout ça, bah franchement tu peux être, enfin franchement avec tout ça t'es très fort. Hein. Pourquoi ils ont mis ça ici? Ok, on va passer par l'autre côté. Ouais mais le truc c'est qu'il me faut... Mais avec toi je vais faire des efforts, regarde déjà là j'ai un beau style. Ah non mais déjà t'as enregistré et tout. Ouais j'ai enregistré ouais. Bah après j'ai enregistré avec les moyens du bord, t'as vu? Ouais bien sûr, bien sûr. Mais j'ai enregistré. Mais demande à ta pote Sacha de t'emmener dans son studio, non? Ouais, mais le truc, c'est que c'est compliqué d'aller dans son studio. Attends, ça s'en est là-bas, là. Ah, non, non, ils sont pas là. Ah, j'ai un peu peur, Kazo. Ouais, mais n'aie pas peur, la vie ça fait mal, mais on se lève à cheval. Et tu connais le prix?
Ouais, je crois que c'est 200 grammes. $200 le gramme. 31,95. Donc nous, on le refait à 400, je pense, non? Vu que c'est un pigeon. Non, on fera 800. Alors, laisse-moi m'occuper des prix, t'inquiète. Vas-y, c'est toi qui gère ça. Je t'ai dit, moi, je me casse pas la tête, j'ai les contacts, En fait, moi, tu vois, je vais te dire, mon atout, c'est quoi? C'est que les gens, ils pensent que je suis con. Enfin, bah, je suis con, tu vois, parce que j'admets. Mais ils sont cons, donc ils se méfient pas de moi. Alors Kazo, il a des crocs et il mord. Attends deux secondes. Allô? Allô? Oh merde, j'arrive. Vas-y, au calme, t'inquiète, prends ton temps. J'arrive tout de suite. Vas-y. Il t'a envoyé une pause, le mec? Ouais, il m'a envoyé une pause, on y va. Ah, je me suis trompé. Vas-y. Et tu sais, moi, je voulais te dire. Hein. Ouais. Ouais, bah, dis-moi. Manga cool, hein. À partir du moment où on fait des trucs ensemble, ça reste qu'entre nous. Jamais il y a de balance, d'accord? Ah, j'espère bien, sinon. De toute façon, dans tous les cas, j'ai rien à perdre, donc si tu veux. Et tu crois, ils m'ont envoyé où les flics s'ils m'attrapent? Dans tous les cas. Je peux pas prendre plus d'un mois de prison. Y'a Ronald qui m'appelle encore pour sa meuf là. Ouais, bah je suis en train de régler ça justement. Du coup, 89-69. Je te jure, j'aimerais tellement que Ricky m'accepte. Ce serait mon rêve. Oui, allô, Tania, t'as bientôt fini le travail? Être bientôt payé, oui, être bientôt partir. Ok, bah appelle-moi dès que t'as fini, ok? Parce que je t'ai parlé d'un plan. Quoi, être ton plan? Dire-moi. Non, bah je te dirai après. Ok, super. T'inquiète, te dérange pas, finis ta journée de travail. T'inquiète, y'a rien de grave. Très bien. Ok. Merde, j'ai raccroché au nez, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et tu vas où là? Bah à la position que tu m'as mise. Ah, je t'ai pas mis de position moi. Bah si, tu m'as mis de position, c'est... Ouais, je sais, je te me fous de ta gueule. Oh putain. Ouais, bordel. Oui, c'est pourquoi il nous a invité ici, il veut nous tuer ou quoi lui? J'ai peur de lui. Ok, bah... Attends, arrête-toi. Wesh. Ouais. Ouais. Ah, de retour. C'est qui le mec derrière toi? Ouais, salut Kaiden, ça va? C'est un ami à moi, tu le connais, il s'appelle Kazo. Ouais, je vois, c'est qui? C'est la rue. Ok, je comptais te parler tout seul, mais... Bah, il peut rester attendre la voiture, hein, s'il y a pas de problème. Ouais, tranquille, il y en a pour 5 minutes. Ok, vas-y. Oh, d'accord. Pourquoi il est habillé comme... comme un prof de yoga qui fait... Non, mais t'inquiète, on doit tourner un clip, c'est pour ça qu'on s'est changé. Quoi, t'es rappeur toi maintenant? Non, moi je suis pas rappeur, mais je suis manager. T'es quoi alors? Ah, t'es manager? Ouais, mais pour entrer dans le quartier, il fallait avoir un certain style vestimentaire, et du coup, bah, je m'habillais comme un mec de la rue. Vous avez clippé où? Alors, on n'a pas encore décidé, mais il m'a demandé de me changer, donc j'ai essayé de faire un style... Ça va là, ah, non? Ah, ok, ouais. La dernière fois, vous foutiez de ma gueule. Ouais, ça va, c'est génial. Non, mais dis-moi la vérité. Tu sais, ça fait un peu Zerma, les darons de 50 piges qui s'habillent comme des enfants pour faire Zerma, ils sont jeunes, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ça, c'est pas bien là, j'ai mis des TN et tout en plus. En fait, mets une casquette à l'endroit plutôt qu'une casquette à l'envers, okay. Je pense. Je pense, après c'est bon quoi. Ok, bah là, je veux tout conseiller, moi apprendre, je suis pas très fort là-dedans. Bah vas-y, dis-moi tout, tu voulais me parler. Ouais, dis-moi, t'as l'air d'avoir envie de faire des sous toi. Ouais. Des sous comment? Écoute, ce que tu m'as dit 2-3 millions, c'est... Ah, ça mais vend de 2-3 millions.
C'était une blague, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? T'inquiète, tu peux me faire confiance. Hein. Toi, tu parles de sous. Ouais, je peux te faire confiance. Je sais pas si je peux te faire confiance, mais c'est toi. Est-ce que t'as besoin d'argent? Moi, je peux te mettre sur des plans. Moi, j'ai besoin d'argent. Ouais. Je vais pas te mentir, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. T'as besoin des gros sous? J'ai besoin de gros sous et d'argent. D'argent. C'est pas parce que j'ai envie de m'acheter une villa ou quoi. J'ai des raisons personnelles. Mais j'en ai vraiment, vraiment besoin. C'est par rapport à ta maladie? Peut-être. Ok. Bon, écoute, là, je vais monter une petite équipe. Ouais. Je sais pas, toi, t'es dans quoi? Si t'es un mec... Genre, en fait, toi, t'as l'air d'avoir envie de faire des sous, mais t'as pas l'air d'être un mec méchant ou d'être un mec qui est dans le business ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour être honnête avec toi, j'ai jamais rien fait d'illégal, mais... Disons que là, ce qui m'est arrivé... me force un peu dans mes derniers retranchements. La société a fait en sorte que je devais mourir. Et le seul moyen de m'en sortir, bah, c'est pas en étant barman. Tu vois ce que je veux moi, dire. Moi, ça qui me pose problème. C'est que, enfin, t'as l'air d'être un mec qui a envie de s'en sortir et tout, tu vois, logique. De toute façon, c'est ta seule solution. Mais t'as jamais rien fait d'illégal, tout ça, tu vois, ça me freine un peu. Il te faut un CV, il faut que je tue quelqu'un. Non, je... il faut pas un... non, juste avant de se mettre sur des gros plans, faut tester quoi. Un homme qui a rien à perdre. Et en vaut deux. Ok, ouais, j'ai compris. Bah vas-y, tu sais quoi, je vais te recontacter bientôt. Ok, mais c'est pourquoi en fait, tu veux faire quoi? Dis-moi direct. Moi je suis un braqueur, voilà, drogue. Moi je suis un braqueur. Des braquages, je suis pas dans la drogue, je suis pas un mec qui fait. Okay. Bah, j'ai déjà touché à ça, tu vois. J'ai déjà vendu, des labos, tout ça, mais je suis pas un mec de ça. Moi, je suis pas un mec de la drogue. Moi, je fais des braquages. Ok, et tu vas dire que j'avais une équipe, je braque quoi, tout super aide, bijouterie, flica, banque. T'aurais pas braqué une bijouterie par hasard aujourd'hui? Aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Ah, dommage. Et bref, est-ce que ouais, moi, écoute, moi, est-ce que tu peux me dire. Ça pourrait rapporter combien en une soirée? En une soirée, ça dépend de ce qu'on fait. Un gros truc. Par exemple, une bijouterie, on va voler des bijoux. Ça veut dire qu'il faut trouver ceux qui font le recel de bijoux. Ensuite, ils vont nous ramener des sous. Ces sous, ça va être de l'argent sale. Il va falloir le blanchir. Donc, c'est pas une science exacte ce que tu prends en bijouterie. Après, en général, une fourchette, ça doit être quelque chose comme 100 000. À partager, bien sûr, avec les gens. On peut faire confiance à mon pote là-bas, hein. Il peut venir dans la conversation. Tu ouais, après, moi, je le connais pas, tu vois. Ah, okay. Je le connais vite fait d'Anville, tu vois, mais... Je sais pas s'il veut faire des sous ou pas, lui, c'est pas... Ah ouais, je pense qu'il veut faire des sous, on bosse ensemble sur pas mal de trucs. Écoute, pour l'instant, je vais... Tu m'as dit que tu montais une équipe, toi. Ok. Pour l'instant, je vois avec toi. Je vais te mettre sur des petits plans. Si je vois que t'es sérieux et que t'es un mec qui se tient à ce qu'on lui dit de faire... On verra pour plus gros, et s'il y a besoin de monde, je verrai avec ton collègue, on fera un autre rendez-vous et on se verra à 3, c'est bon? Ok, ça me va. Vas-y, allez, sinon, tu connais quelqu'un qui vend de la cocaïne? De la cocaïne, ouais. Ouais, je peux avoir, tu peux me dire c'est qui, un numéro, quelque chose? C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Ouais, combien? Ça dépend. Pas des grandes quantités. C'est quoi, tu vas acheter des petites quantités, quoi, consommation perso? Non, ouais, mais c'est pas pour ma consommation perso, c'est que moi, je vais revendre à un mec riche qui consomme personnellement. Mais c'est quoi comme quantité qu'il te faut? Bah là, il m'a demandé 20 grammes pour tester. 20 grammes. Écoute, là, je pense à cette heure-ci, il y a personne, mais... Et tu connais demain, les prix un peu? Ok, je t'appellerai demain. Non, pas trop, non. Okay. Demain, appelle-moi et je t'organise un rendez-vous, c'est bon? Ok, parfait. Vas-y, ça marche. Ok, bah merci beaucoup. Bon, vas-y, je te recontacte. Demain, tu m'appelles pour ça et je te recontacterai moi pour okay. Ce que je t'ai dit, c'est bon? Très bien. Et garde ça pour toi. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas dit que j'allais bosser avec toi non plus, hein, mais t'inquiète, dans tous les cas. Non, mais ce que je t'ai dit, que je braque, que tout ça, c'est entre toi et moi. Je te dis ça parce que t'as envie de faire des sous. Que moi, je vais monter une petite équipe. Parce qu'en gros, je t'explique pourquoi je viens de voir. C'est que moi, mon équipe, ça s'est dissipé un peu. Il y en a qui sont partis. Chacun de leur côté, il y en a qui ont quitté la ville. Ça veut dire là, je me retrouve un peu le cul entre deux chaises, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ok, bah voilà, je vais voir. Pour l'instant, c'est en stand-by et je te rappelle dès que j'ai du nouveau. C'est bon? C'est bon. Allez, ça marche. Vas-y, mon ref. Vas-y. Regarde, il est où? Mais tu m'as dit que tu le connaissais, lui. Moi, je le connais.
Bah lui il m'a dit qu'il te connaissait pas. Il ment. Ok. Et vous connaissez comment? Je peux te faire combien, à combien de pourcents? Ah 100%, t'as pas vu qu'on... Soit fait... Bah ouais. Vas-y, vas-y, retourne dans un coin tranquille, faut que je te parle. Oh putain, j'ai peur. Oh putain, j'ai vraiment du mal. Ah du coup j'avais raison, t'es Batman. Non, je suis pas Batman. Je vais t'expliquer un peu la vraie vie. Non, tu sais quoi, j'ai quelqu'un à te présenter. Oh putain. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu serais resté, regarde, ici, là, vite fait. Attends, je te mets une position. Vas-y. Vas-y, va là-bas. J'y vais. J'ai quelqu'un à te présenter, tu vas tout comprendre. T'as vu, j'ai fait des rapages comme dans les films. Azo ? Ah merde. Ouais, je suis là, c'est juste que... Faut que je me concentre avant de faire ce que je fais. Faire quoi ? On va braquer ? Tu veux faire quoi ? Non. Écoute, va juste à la position et dès qu'on aura fait ça, je te ferai totalement confiance. Faut que je mette de l'essence. Je m'en occupe ? Ok. Ouais, je te paye l'essence. Tu peux descendre, sinon ça marche pas. Ok. Hey, watch it! C'est compliqué pour mettre de l'essence. Ah, t'avais une voiture garée ici? Ouais, ouais, c'est un contact. Ok. Il s'appelle Casalena. Casalena, ok. Écoute, je vais te présenter quelqu'un. Surtout lui, tu lui parles tranquille, ok? Voilà, tu lui parles tranquille. Et surtout, t'évites de lui dire les conneries que j'ai faites, s'il te plaît, d'accord? C'est le mec de tout à l'heure là, Jean-Pierre. Non. C'est pire, c'est la personne qui me fait le plus peur, vraiment. Ok, ok, d'accord, je resterai sérieux alors. Et il aura juste des questions à te poser, je pense. Et c'est tout. Et si tu l'entends crier, c'est normal, n'aie pas peur, d'accord? Mais... Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Non, mais c'est que ça me fait toujours chier de devoir faire ça, mais je suis obligé de faire ça maintenant. Faire avec quoi? Toi. Je suis obligé de faire ça avec toi. Je suis obligé. Je suis obligé. Arrête la voiture. Faire quoi, mec? Je vais te présenter une personne, tu vas tout comprendre. Il va rien m'arriver. Non, il va rien t'arriver de mal. Je t'ai dit, pour moi, t'es mon ami, d'accord? Je vais pas te faire de mal. Mais est-ce que pour toi, je suis ton ami ou pas? Bah ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a l'une des deux meufs qui m'appelle, là. Vas-y, bah, réponds à son appel et je te présente la personne juste après. Parfait. Allô? Oui, allô? Je te laisse descendre en bas. Avoir fini le travail. Ok, parfait. Dans une demi-heure, j'aurai besoin de toi. En gros, le plan, c'est que... on va t'emmener voir un monsieur, mais il n'y a rien à faire. Hein. Juste, tu discutes avec, tu vois. Et voilà, c'est tout. C'est un date, quoi. Mais t'es payé pour ça. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Attends. Non, arrêtez. Arrête de crier. Tu m'as dit quoi? Être payé combien? Je crois que c'est 5 000. Mais c'est vite fait, hein, c'est 10 minutes. Ok, très bien. Ça te va? Ok, parfait. Ok, bah je viendrai te chercher tout à l'heure. Ok, je te dirai où je suis, ok? Très bien. Allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon. Vas-y, va attendre sur le sable vite fait, il arrive.
Je meurs de rire si je déguise en Batman. Je vais me transformer en gorille. En attendant. C'est un prank là, il va jamais revenir. Hein. Non, ok, j'enlève, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'enlève. Bonsoir, John. Ouais, bonsoir. C'est toi le copain de Kazo? Ouais. C'est qui toi? Ok. Je me présente. Wyatt Virginia. Ouais, et il est où Kazo? C'est Sogeking là. Enchanté Wyatt, mais il est où Kazo? Tu vas tout comprendre. Ouais. Kazo, celui que tu connais. Ouais. C'est Kazo. Ses sentiments sont honnêtes. C'est quelqu'un qui te dira toujours la vérité. S'il dit que t'es son ami, c'est que t'es son ami. Ok. Il a perdu un ami il y a pas longtemps. Ok. Et... Bulbala, c'est ça? Bulbaba, ouais. Ok. Voilà. Je te demanderai quelque chose. Moi, Wyatt Virginia, je suis le grand frère de Kazo. Ok, Wyatt. Tu peux m'appeler Wy. Wy. Je suis le grand frère de Kazo. Autant dire Wyatt, parce que Wy, c'est... Ok, Wy, pardon. Wy. J'aimerais que tu prennes soin de Kazo. D'accord? Ok. Protège-le. Comme lui, il te protégera en retour. Ah ouais, il m'a pas très protégé. Ok. Kazo, c'est mon petit frère. Ok. J'ai deux petits frères. J'en ai un qui se fait appeler Kazo, que tu connais. Ouais. Et un autre qui se fait appeler Wyatt, tout court. Ok. Wyatt, c'est toi, Wyatt? C'est... Non. Moi, c'est Wyatt Virginia, mais on m'appelle Wy. Wy, ok. Ah, c'est pour ça que Wy et l'autre, c'est Wyatt. Ok. Voilà. Tu demanderas à Kazo de te parler de Wyatt, si tu veux plus d'informations sur lui. Mais normalement, tu seras pas censé le rencontrer. Puis si tu le rencontres, tu comprendras rapidement qui c'est. Ok. Moi, je suis le grand frère de ces deux petits. Je te demande de protéger Kazo. Je dois déjà m'occuper de plein de trucs. Je pense que tu dois déceler que Kazo se manifeste dans mon corps. C'est parce que moi, actuellement, je suis dans un jeu vidéo. Quand il ne voit pas, c'est que je suis dans le jeu. Le jeu vidéo. Hein? J'ai rien compris. Ça s'appelle le jeu vidéo. C'est très compliqué à comprendre. Mais moi, tu me vois que très rarement. Ok. Attends, que donc quand... toi t'es Kazo, mais t'es pas Kazo, mais t'es Wy. Mais de temps en temps, il y a Wyatt qui sort dans... qui prend le contrôle, c'est ça? En gros, t'es une voiture qui est pilotée par trois pilotes. Je vais te raconter l'histoire de Wyatt Virginia, comme ça tu vas tout comprendre. Ok. Il a grandi dans le Michigan, avec sa mère Virginia et son père George. Mmh. Il avait deux frères. Mmh. Un qui s'appelait, qu'on appelait Kazo du coup, que tu connais. Mmh. Et il avait un autre petit frère. Qui a beaucoup souffert. Qui s'appelle Wyatt. Mmh. Non. Ah merde. Ce petit frère-là s'appelle... Frédéric. Ah ok, je m'attendais. Ok, Frédéric. Ouais. Ne prononce jamais ce prénom devant Kazo, ça risque de bouleverser. Ok. Et... Moi, Wyatt Virginia, j'ai perdu mes deux petits frères. Ils sont tous morts. Ok. Mon père, ma mère, mes frères. Et parfois, quand ils sont morts comment, je peux savoir? Décédés. Ouais, bah j'ai bien compris, mais comment?
C'est dur pour moi de me confier. Mais dis-toi qu'ils sont tous, pour la plupart, morts d'une maladie. Ok. Ah bah. Je vais bientôt les rejoindre alors. Tumeur au cerveau pour les quatre. Ah, moi j'ai une tumeur mais pas au cerveau. Mais ils ne sont pas totalement morts car la vie est comme un jeu vidéo, comme je te disais. Leur entité se manifeste en moi. Wyatt Virginia. Toi, une entité t'aime bien qui est Kazo. Ok. Kazo t'aime beaucoup. C'est un personnage assez cascadeur. Assez cool. Mais... Wyatt est très manipulateur. Si tu croises Wyatt, ne lui fais jamais confiance. Mais s'il te plaît, moi, Wai, je te demande de protéger Kazo. Coûte que coûte. Ok. Protège-le. Et est-ce que Wyatt pourrait se faire passer pour Kazo en me disant que c'est Kazo? Non. Ok. Ils se détestent comme chien et chat. C'est même ce qui les a tués. Voilà, malgré qu'il y a eu la maladie a empiré grâce aux tensions qu'ils engendraient. Comme on dit, l'amour engendre la haine. Mmh. Si. Voilà, John. Ok, très bien, Wai. Je reviendrai vers toi de temps en temps pour prendre des nouvelles. Sinon, vis-à-vis de Kazo, qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'inquiète pas, hein, c'était prévu qu'on se protège mutuellement. Je l'aime bien, Kazo, moi, c'est un bon gars. Il essaye de m'aider à m'en sortir, et moi, je vais essayer de l'aider à s'en sortir aussi. Ouais. Prends soin de lui, d'accord? Très bien. Il est à la rue, il pense être à la rue, mais il n'est pas à la rue. Un jour, je retirerai ce masque devant toi. Un jour, j'espère. Ok. Bien, je vais te ramener Kazo du coup. Est-ce que t'as des questions à poser? Ah bah non, je vais pas... Tu m'en as déjà assez dit comme ça, c'est un peu... Ça fait beaucoup à encaisser. Mais on se reverra. Je dis toujours la vérité, rien que la vérité. Si t'as des questions à me poser, posez-les moi. C'est quoi le jeu vidéo? Comment ça le jeu vidéo? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le jeu vidéo? Je l'appelle le jeu vidéo, mais c'est tout simplement la vie. Dans un jeu vidéo, tu joues à quoi? Tu joues un rôle. Dans la vie aussi, tu joues un rôle. Plusieurs rôles. Le matin, tu te lèves pour aller au boulot. Tu travailles en tant que professeur, tu vas jouer le rôle d'un professeur face à plein d'élèves. Mais tout ça, ça restera qu'un simple mensonge. La vraie vérité, personne ne sait où elle est. Mis à part moi qui la recherche. Je la recherche et je me manifeste que très rarement. Okay. T'as plusieurs personnalités qui se manifestent en moi. T'as Kazo et Wyatt, comme je t'ai dit. Ce sont mes deux petits frères. Ça te dit pas d'aller voir un exorciste? Négatif. Ok. Mais un jour, je retirerai ce masque devant toi. J'espère. Okay. T'as l'air d'être un bon gars, John. Ah, je suis un bon gars, hein. J'essaie juste de vous aider, mais... Ah, j'ai si du mal, à, j'ai du mal un peu à croire. J'ai du mal un peu à croire. Ça ne moque pas. Excuse-moi. Hein, c'est Royal, c'est Kazo qui veut se manifester. Ok, désolé. Ok. Bon, je vais y aller. T'as encore une question? Non, attends qu'il en parlera la prochaine fois. Laisse-le revenir. Ok. Il est taré, wesh. Ah ouais, j'étais refusé, ça lui a cramé le cerveau. Après, c'est une bonne idée qu'il a eu son RP, il est lourd. Mais vas-y. En vrai, le perso, il faut quoi. Merci Brissou pour l'analyse. Non, en vrai, son perso, il est hyper compliqué à jouer. Et ça va, pour l'instant, il le fait bien. Fallait travailler un peu son style de de phrases poétiques derrière les films. Mais sinon c'est lourd. Après c'est dur, c'est de l'impro tout le temps, donc t'es obligé de dire des conneries des fois. Putain, la caissière elle arrêtait pas de me faire chier. Vas-y. Oh, Kazo, c'est bon. Viens, on va la brûler, viens. Non, on va rien brûler, Kazo, t'inquiète. On doit ramener les... Faut que t'appelles ta copine, là. Ah ouais, faut qu'on s'occupe des meufs. Ouais, je la rappelle, voir si elle est disponible. Parce qu'elle m'avait raccroché au nez. Mais déjà, est-ce qu'il est disponible, Ronald, là? Regarde, je l'appelle. Vas-y, appelle-le. Ouais, Ronald.
C'est bon, on va t'envoyer une pause avec les meufs. On va... D'accord, ok. Il me rappelle dans 2 minutes, je crois qu'il a une urgence. Bordel! Non mais cette pute, attends, on va se la faire, je te jure, attends. Non, remonte, on n'a pas le temps. Faut qu'on trouve un endroit vite là, Pour envoyer la pause aux meufs? Non mais déjà on va aller les chercher parce qu'il faut, savoir... J'ai un endroit. Va les chercher vite fait, j'ai un endroit, je te le mettrai, il est parfait. Mais faut un endroit où on peut se cacher et tout observer, on va trop rigoler mec. T'es d'accord, t'as un endroit, t'es sûr? Ah, ouais, j'ai un endroit, il est sûr, tu vas kiffer. Ok. T'inquiète pas. Juste récupère les meufs et voilà. Par contre, moi, ma meuf, elle est pas disponible du coup. Bah, y'en aura qu'une, de toute façon, y aura pas de Tobias. Ok, nickel. Oui, allô? Allô? Ouais, tu peux m'envoyer ta position? On arrive te chercher. Allô? Allô? Oui. Tu peux m'envoyer ta position? On arrive te chercher. Tu as peut-être 5 minutes à attendre ou pas? Ouais, mais envoie-moi ta position, comme ça au moins je suis loin là, donc. Ah ok, viens du côté de la plage, je serai pas loin. T'inquiète, okay. Je suis avec des amis pour l'instant. Ok. À tout à l'heure, je t'appelle dans 5 minutes. À tout à l'heure. Ça va, Kazo? Ouais. Tu fais quoi là? Tu penses à quoi? Oh ouais, non, rien, j'ai écouté de la musique. Dans mes écouteurs. Écouter quoi? De la Daft Punk. Ouais. Pas mal. Ouais. Copain, on est amis? Bah ouais, on est amis, t'es mon meilleur pote. C'est vrai? Ouais. Ah, j'en ai pas d'autres, donc t'es forcément mon meilleur. Et tu m'abandonneras pas, hein, même si Rick il te propose un meilleur artiste. Hein. Non, t'inquiète, j'essaierai toujours de te faire percer. Merci, tu m'oublieras pas. Mais... Hein. Non, pleure pas. Enfin, si, continue de pleurer. Le dernier meilleur ami que j'ai eu, c'est Boubaba, il est mort. Faudrait que je t'emmène un jour sous sa tombe. Ouais, oh, j'aime pas trop les tombes et tout, ça va me faire penser à la mort et... En ce moment, j'essaye de vivre, justement. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Merde, c'est pas là, la plage. Ah mais attends, mais si tu veux, putain, j'ai... Oh my god. Ah non, j'ai rien dit. Si c'est là, la plage, je suis un génie. Ah c'est là, Vespucci. Ah mais ça c'est exceptionnel comme voiture, un jour j'achèterai un truc comme ça. Ça c'est une ref à Alexander Hakim. Ouais Ronald. Bah je te disais là pour la meuf là, Mélissandre. On va t'envoyer une pause, c'est bon? Vas-y, nickel. J'ai fait de la trottinette ici. Non, mais tu vas voir, je te présente une meuf, après on pourra être copains, je suis sûr. Ouais, t'inquiète pas. Tu cherches la meuf, là? Non, elle m'a dit qu'elle était à la plage, mais qu'elle m'appellerait dans 5 minutes pour que j'aille la chercher. Alhamdoulilah, ok. Alhamdoulilah, ok, pour aller dire Alhamdoulilah, il est fou, quoi. Faudra qu'on la briefe. Tiens, d'ailleurs, bah, en parlant de la plage. Tu la vois, là? Non, mais c'est là, je t'ai parlé des ponts. En général, je traîne ici, moi. Tiens, un jour, tu galères. Ah, ouais, je dormais ici, mais je me suis fait jarter. Ouais, on est assez soudés entre SDF. Ouais. Non, je rigole, moi, je dors à l'hôtel, tu m'as pris pour qui? Merde, je pensais qu'on était pareil. Bah, je pourrais dormir dans ta chambre. Niveau rien de sexuel, hein, juste je dors par terre, t'as vu? Là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que je vais devoir aller dormir chez un ami. Il m'a proposé... Merde! Bah, tu peux passer les clés de ta chambre, non? Non, justement, il m'a dit de ramener personne. Bah, t'as un rat. Ouais. Après, je t'ai donné 25 000 $, tu peux aller à l'hôtel, hein? Ouais, mais je dois m'acheter ma coke et ma mette, là, tout à l'heure, après. Ah, ok. On va même défoncer un coup. Tu l'auras bien mérité. Ouais, mon petit shoot du soir. Bon bah plus qu'à attendre qu'elle réponde. Hein. Elle, je pense qu'on peut la briefer et... Et elle va nous faire passer un bon moment. Ouais.
Mais en vrai, on est un bon duo, hein. Ah, ça va, on bosse, hein. On brasse des thunes. T'es là demain? Ouais. Demain, t'as un truc à faire? Non. Vas-y, faut qu'on trouve un plan sous, alors. Un vrai plan sous de ouf, t'as vu? Ouais, ouais. Hey, tout à l'heure, tu m'as parlé de Kaiden, mais tu m'as pas tout dit. Ah ouais, Kaiden. Ouais, explique-moi un peu. Lui, je sais qu'il baigne dans de sales affaires, lui. Mais je sais pas si tu peux lui faire confiance, je te dis honnêtement, moi, je pense pas que ce soit un gars de confiance. Genre, je lui ferai pas confiance, tu vois, si on doit monter sur un coup. Parce qu'il te parlait d'un coup, là. Ah ouais, il me parlait d'un coup, ouais. Ouais, j'ai tout entendu. Ah ouais? Ouais, j'ai tout entendu. Bah vas-y, t'as vu, je sais pas si tu peux lui faire confiance, mais fais-le s'il y a de l'argent à se faire, tu vois. Bah, il te baisera pas, je pense. Non, il y a de l'argent à se faire, mais c'était pas des sommes de ouf et tout. Il m'a dit qu'il était dans les braquages. Ouais, mais après les braquages, tu sais, il peut te la mettre au dernier moment et dire non, je te passe pas la thune. Ah ouais, c'est possible ça? Je pense pas. Si, il m'a dit qu'en fait, il avait plus d'équipe et qu'il essayait de refaire une équipe, mais toi, j'ai l'impression qu'il t'aimait pas trop, tu vois. Il m'a dit non, je le connais pas, mais alors que tu m'as dit que tu le connaissais. Ouais, parce qu'il voit que je fais un peu le con-con des fois. Ah, ok. Ah, c'est pour ça, là. Eh, d'ailleurs, pourquoi tu m'as dit de partir, là, quand t'étais posé à la plage? Hein? Là, quand t'étais posé à la plage. Ouais. Après, j'ai pris la voiture et je suis parti, là. Ah, c'est toi, tu m'as dit, je dois faire un truc, je reviens. Et après, je me suis dit... on n'était pas loin de la plage, du coup, je me suis dit, je vais me poser, je vais aller voir la mer, les vagues et tout. J'aime bien la plage. Ah, ok. Mais rien de spécial, Ah ouais, c'est rien passé de spécial. Et après, t'es revenu, m'as dit, ouais, la caissière, Nani. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, la caissière. Mais va falloir que je me la fasse, elle, je te jure. Je vais prendre le bidon d'essence et ça va y aller. Moi, tu me parles pas comme ça. Sur ma tombe, tu me parles pas comme ça. Moi, attends, tu veux quoi? Sur ta tombe? T'es un malade. Ouais, sur ma tombe, tu me parles pas comme ça. Ah, logique, logique. Non, sur la tombe de Boubaba, pardon. Ah ouais. T'as de l'eau? Non. À boire. J'ai pas de flotte, mec. Attends, je regarde. Peut-être encore un Capricorne qui me reste. Non, j'ai rien pour toi. Sur la tombe de Boubaba. Il y a de l'eau là, hein. Okay. On a la mer. On va boire. Ça se boit l'eau de mer? Ouais, mais à petite quantité. Ouais, mais là, vu comment j'ai soif, je pense que je vais boire à grosse quantité. Non, pas bah après, je bois ma pisse quand vraiment c'est la galère. Ah, bah c'est mieux de boire l'eau de mer. Hein. Par contre, on met du temps là, j'en ai marre. Bon, après, on est obligé parce qu'on va revendre de l'alcool tous les soirs à. Le preneur de riche, mais... Il va falloir que tu me renseignes pour la coke, là. Oh, mais je vais peut-être demander à Ricky. Ah non, mais Ricky. Non, Ricky, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il m'aime pas. Non, rien à voir. C'est parce qu'avec Ricky, je bosse en tant que producteur, manager, superviseur. Ouais. Et du coup, voilà. J'ai pas envie qu'ils sachent que je traîne dans des trucs bizarres. Mais après, je pourrais me faire passer pour un client. Me dire, ok, on m'appelle. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi, sale pute? Tu le vois celui-là? Allez, casse-toi. Allô, John. Oui, malade, allô. Elle ou quoi? Oui, être Tania, être disponible maintenant. Oui, bah envoie-moi une position, on t'attend. Être fête foraine sur le ponton. Ok, j'arrive. De suite. A tout de suite. Oh putain, faut pas qu'elle apprenne que... Ronald vivant de l'alcool. Parce qu'imagine, elle fait le lien avec le... Oh non, putain. Oh la pétasse. Non, elle va pas le faire. Elle est trop bête pour ça. On dira à Ronald de se faire passer pour un gros dur. Elle est trop bête. Ouais. Ok. Non, sinon on va dire à Ronald qu'elle déteste l'alcool. Et du coup, on va le faire passer pour un vendeur de chocolat. T'inquiète, Nicia. Hein? Ah non, rien. C'est qui, Nissat? Non, rien. Mais je parlais pas. Oh, t'inquiète, y'a rien. C'est pas ça. Sinon, John, quand t'étais jeune, c'était quoi ton rêve? Wow. Mais c'est les grands du quartier, ça, je reconnais. Ah non, c'est pas eux. Je sais pas moi, être sportif professionnel. On va dire que c'est compromis maintenant. Mais où est-ce qu'elle est? T'as vraiment pas à boire, s'il te plaît? Non, j'ai vraiment pas, mec.
Vas-y, le temps qu'elle t'appelle, tu peux aller à la supérette d'à côté là. Je te mets. Attends, elle m'a appelé, on va la récupérer là. Allô. Ouais, allô, t'es où? On est sur le pont là. Être au milieu du pont. Ah bah c'est bon, vas-y. Toi, ouais, c'est bon, grimpe. Ok. Eh, hey, salut madame. Ça roule. Salut. Oh, Kazo. Oh. Ah bah c'est Kazo. Ouais, ça va madame. Eh, mais je vous connais. Oui. Eh, maintenant je sais parler comme vous. Ah, être sûr. Bonjour. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, c'est russe. Bonjour. Être... Ok, ok. Quoi? Tania, écoute-moi bien. Tu vas être payé 5 000 $ pour ce que tu vas faire, mais c'est très très important, ok? En gros, okay, on va t'emmener à un endroit et tu vas avoir un date avec un charmant jeune homme, ok? Ok, comment s'appelle le jeune homme? McDonald. Ah, ok, comme McDonald. Non, il s'appelle Ronald. Vas-y, va chercher à boire. Ok, je vais chercher à boire. Ok, non, pas toi. Non, mais moi. Ok, en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, tu sais, tu lui parles et tout. Ok. Mais ne fais rien, à part si vraiment il te plaît, hein. S'il te plaît pas, tu fais rien avec lui, tu vois. Mais essaye de le chébran un peu quand même, tu vois. Tu le branches un peu. Ok, être qui pour toi, ce monsieur? Quelqu'un qui peut me sauver la vie. Être docteur? Presque. Presque? Être infirmier? Non, mais il vend des trucs, quoi. Non, pas être infirmier. Ok, comment s'appelait déjà McDonald? Okay. Non, Ronald. Ah, Ronald, ok. Ok. Nous, on sera cachés en haut quelque part pour veiller à ta sécurité, ok? Il t'arrivera rien. Ah, ok. Au moindre... être dangereux, hein? Ah non, rien de dangereux, mais c'est au cas où. Ah, ok, très bien. Vous avez de l'homme d'âme? Oui, tout va très bien. Attendez, téléphone 2 petites secondes, est très important. Ok. Allô? Non, je suis rendez-vous avec collègue. Être en voiture, je m'occupe de tout pour l'instant. Être indisponible 15 minutes, t'inquiète, je reviendrai. À tout à l'heure. Vas-y, monte là-bas, t'inquiète. Là-bas, c'est à demain alors. Ok. Tania? Oui. Ça te plaît de bosser au casino en tant que barman? Être sympa, mais être fatigant, être mal à la tête et pas si bien payé que ça. Voilà, finalement. Très fatigant et pas. Ok. Bah, nous, on peut te faire gagner un peu plus d'argent. Ah bon? Bah, ouais, mais il faut que t'assures ce soir. Ok. Être quoi, travail que tu proposes? Bah, ça, on t'en parlera plus tard. Là, aujourd'hui, ça a rien à voir par rapport à ce soir. Hein. Ok. Donc, aujourd'hui, pour le monsieur là qu'on va te faire rencontrer, tu vas t'appeler Mélissandre, ok? Ok, Mélissandre. T'as compris? Maintenant, tu t'appelles Mélissandre. Pour une soirée, ok? Ok, pour 10 minutes. Ouais, voilà, pour 10 minutes, 10-15 minutes. Donc là, on va t'emmener voir quelqu'un, tu le branches, dis-lui, ouais, t'es beau, nanani, je sais pas quoi. Et tu lui laisses espérer qu'il y aura quelque chose, mais pas ce soir. Dis-lui que t'as envie de prendre ton temps et tout, nani, ok? Ok, et j'ai dit que comment je suis arrivée là, que... Ah, tu dis que, justement, nous, on t'a présenté à lui, on lui a dit, ouais, Mélissandre, elle est super sympa, et qu'elle te trouvait sympa, et que du coup, tu voulais le rencontrer, voilà, c'est simple. Ok, d'accord, je l'ai déjà vu, au casino, peut-être? Bah, si t'as jamais vu quelqu'un, moi, je l'ai jamais vu, donc je pense pas que tu l'aies déjà vu. Ah, ok. Alors, t'inquiète pas, ça sera pas dangereux. Toi, arranger rendez-vous, ok. Ouais, voilà, moi, j'ai arrangé un rendez-vous avec lui, et lui, il va nous permettre de se faire un peu plus d'argent qu'au casino, et ça, je t'expliquerai. Bah, si je peux te faire confiance et si ça se passe bien ce soir, ok? Ok, bien sûr. Compris. Mais t'inquiète pas, on sera là, on te protégera. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a, Kazo? Le mec, là, il attend la position, t'inquiète. Mais non, mais t'es con, quoi, on devait se cacher avant. Bah oui, on va se cacher avant, t'inquiète. Mais tu vas voir la cachette, j'ai tout préparé, t'inquiète, la cachette, okay, tout. Ok. Là, on va tout entendre, tout voir. Ok, tu te rappelles, tu t'appelles Mélissandre, ok? Mélissandre, ok. Okay, donc... Et j'ai toujours 21 ans. Ouais, si tu veux. Ok. T'appelles Mélissandre, t'as 21 ans, et tu le trouves mignon, sympa, et tu discutes avec lui, et tu lui laisses espérer qu'il y aura quelque chose, mais il y aura jamais rien, ok? À part si vraiment tu l'aimes bien, et dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, hein, on n'est pas tes parents. Et okay, pour ça, je te donnerai 5 000. Et si ça marche, ça veut dire qu'on peut te faire confiance, et derrière, on peut se faire beaucoup d'argent.
Ok, d'accord. Intéressant. Pas de vin, hein. Tu te sens pas gêné de faire ça? Non, pas problème. Ok. Ma mère m'a appris. Quoi, comment ça, ta mère, elle faisait quoi avant? Comment dire, ma mère est le curva. Curva? Curva. Ah, ok, j'ai compris. Alors, on va pas juger, hein. Être ma mère, hein, de toute façon. Bah ouais, c'est pas toi. Toi, c'est différent, y'a rien à voir, hein. Toi, tu vas juste discuter. Rien à voir, moi, parler. Ouais, c'est ça, toi, tu parles, c'est tout. Je t'explique, nous on sera planqués dans une tente. Et ouais. Faudra surtout pas que vous alliez vers la tente, ok? C'est ça, okay, et essaye de bien parfait. Parler fort. Et si te dit d'aller sûr. Autre part ou quoi, tu dis non. Tu dis que ce soir, okay. Vraiment tu veux juste discuter, ok? Ok, être le premier date. Ouais, voilà, premier date, ouais. Ok, toi tu es quelqu'un qui te respecte. Premier rendez-vous, bah juste on discute, on apprend à se connaître, c'est tout. Et après au bout de 15 minutes, on t'appelle et tu fais genre oh là là, j'ai une urgence, je dois bouger vite. Ok, d'accord, pas problème. Et je reviendrai à la voiture. On reviendra te chercher. D'accord, ok. Ouh. Tu sais pas conduire, John, vraiment. Bah si, regarde. Mais je te jure qu'on l'aurait fait mieux. Bah j'ai un don. Ok, regarde, tourne à droite. Regarde, nous on va aller se planquer dans la tente qui est à gauche. Et toi, tu vois... Ouais, je vais me garer au fond alors, du coup. Attends, espèce d'idiot. Oh putain, merde, toi, elle est bien, il est solide, il faut que j'aille me garer là-bas. Ça va. Je descends. Ouais, tu te gares où tu veux, tu vois. Attends. Vas-y, viens, je vais te planquer. Être bizarre en droite, super. Non, t'inquiète, on connaît les gens ici. Attends, lui, j'avais des comptes à régler avec lui d'ailleurs. Quel con. Pourquoi il l'a ramené ici? Il y avait un endroit juste sur la map là-bas, là, mais bon, vu que dans l'URP je connais pas la ville, c'est compliqué. Il y avait un endroit juste là-bas où tu pouvais être caché, vision, tu vois tout. Toi, être en colère. Moi non, être perturbé. Eh, hey, Kazo, t'es sérieux? C'est quoi cet endroit de merde? Mais non, regarde, viens. Okay. On va faire une mise en scène. On va mettre... Regardez, je vais mettre une table à bouffer. Et on fait style que c'est prévu. Et si à un moment, t'as envie d'arrêter, tu m'envoies un message, ok? Ok. Ou sinon, je crie... Non, mais crie pas, parce que si tu cries... Ok, vas-y. Si tu dis libellule, ça veut dire que t'as envie d'arrêter, ok? Ok. Voilà, fais-nous ça bien, Kazo. Une table, deux chaises... on n'ira pas jusqu'à mettre du champagne, mais... Putain, j'ai vendu 31 bouteilles de champagne ce soir, en plus. Ah ouais? Je te jure. Mais moi, il m'a pas payé, le patron, parce que j'ai vendu pour 24 000 dollars à mon client. Oui, riche. Mais avoir dit que demain, nous venir pour commission, être payé demain, toi. Ah ouais? Ok, parfait. Oui, avoir dit ça. Mets des chaises, hein, Gazo. On va pas faire un date debout, quand même. Ah, moi, je faisais des dates aux toilettes. Ah, non. Ça, faut pas le dire. Hein? Avec mon ex, je faisais des dates aux toilettes. Ah, tranquille, bah. Ah, non, on faisait pas ça dans les toilettes, hein. Putain, au collège. Ah, ouais? Ouais, il était canon, le garçon, je te jure. Ouais, il est bisexuel. Voilà. Je vous mets une lumière ou pas, madame? Ouais, mets-leur une lumière. Ouais, s'il te plaît, parce que c'est un peu glauque. Pour écarter les rats aussi. La prochaine fois, on fera ça dans un plus bel endroit. Je lui ai fait confiance pour l'endroit, j'aurais pas dû. Là, être un peu comme porte de je sais plus quoi, là. Hein? Être une porte, je sais plus où, capitale. Une porte dans une capitale? Oui... Porte-chapelle. Ouais, je connais pas. Tu connais toi, chapelle? Être copain France, avoir dit ça. Ah, c'est en France, ok. Oui, je sais plus. Ok, on se cache où, nous, Kazo? Regarde, eux, bah, tu vois, là, c'est mignon, je trouve, non? Pour un premier date. Ouais.
Ouais, ça va, les loupiottes sont sympathiques. Ouais, ça va écarter les rats en plus. Parlez bien fort, hein. Oui, bien sûr. Pas oublier les libellules. Mais on se cache où, mec, c'est... Regarde, viens, fais-moi confiance. Vas-y, je te fais confiance. Mais non, c'est le pire endroit. Là, faudrait que tu lui envoies la position. Et en fait, c'est tout ça, c'est un plan de ouf. Ça m'a l'envoyé, ok. Ah bah oui, c'est toi qui l'envoie. Vas-y, viens. Nous, on va se mettre là le temps qu'il arrive. Et s'il te plaît, tu cries un peu fort, d'accord? Oui, être comme ça, être bien. Et dis-lui que tu as des problèmes d'audition. Ah, d'accord, être un peu sourde. Ouais, comme ça, lui, il parle un peu plus fort. Faut bien que t'aies des défauts. Ok, t'inquiète. Allez, viens, mon pote. Allez. Tu vois, nous, on se bloque comme ça. Merde, comment on fait The Bee? J'arrive pas, attends. J'ai un problème de dos. Il arrive dans 5 minutes, le temps du trajet. Ok, pas grave. Dis-lui que t'entends vraiment pas bien. Oui, ok, pas problème. Et tu t'appelles comment? Mélisandre. Au pire, s'il entend mal, on va lui dire de parler plus fort. Ouais. Ah bah non, merde, faut pas qu'il nous voit. On t'enverra un SMS si on entend mal, ok? Écarte-toi un peu, j'ai l'impression que mon bout de bras, il dépasse. Ok, super. Non, pas moi, t'inquiète pas, toi, lui. Ami. Oh, ami. Ami. Moi? Ouais. Quoi? Ça va? Ça va, ça va, on va trop rigoler. Ouais. Après, on est obligé de faire ça pour le business, pour qu'il continue de nous vendre de l'alcool. C'est ça. On c'est va la servir. Rue, c'est la rue. On, est... on va servir. Attends, faut que j'aille demander de l'eau à la minette. Oh putain, mais fais vite, mec. Tu peux me passer de l'eau, s'il te plaît? C'est que c'est un plan de génie. Du coup, l'autre, il va croire, il va pouvoir la gérer. Et à chaque fois, on va lui dire, si tu veux lui parler, il va falloir nous baisser le prix. Il va falloir nous baisser le prix. Et du coup, on va... C'est sa bite qui va nous vendre l'alcool. Il va nous la vendre gratos, frère. Attends, attends, être bouteille d'eau ici. À chaque fois, il va être en mode, non, mais putain, j'ai trop besoin de la revoir. Et à chaque fois, on va lui dire, gros, c'est 5 000 $, les 70 bouteilles. Oh, gratte ses mille. En gros, il va réfléchir avec son zizi, quoi. Fais en sorte qu'il tombe amoureux, c'est très important pour que notre business marche, Tania. Ok, d'accord, John. Je te jure qu'on va devenir riche si tu fais ça, ok? C'est parti, d'accord. Argent. Donne tout. Important. Business. Argent. Moi, j'ai investi. Mais manipule-le bien, faut pas qu'il croie qu'il peut faire quelque chose avec toi. Parce que okay, tu vas voir, okay. Il est spécial. Oui, d'accord. Oh putain, Kazo, c'est le plan du siècle. À chaque, ouais, fois, qu'on va avoir besoin d'alcool pour le vendre, eh ben il va nous baisser le prix, ouais. Sinon il la rencontrera plus. Je t'ai dit, John. Je t'ai dit. Oh, t'es vicieux, tu joues avec son cœur. Ouais. Et t'es trop fort. Ah, mais moi je suis pas comme ça, frère. C'est juste que je vais mourir si je fais pas ça. Donc c'est pas une peine de cœur qui va. Bah, c'est pas grave, il l'oubliera, non? Tu m'as parlé? Bah non, qu'est-ce que je t'ai dit? Ok, non, je pensais que tu m'avais parlé. Merde. Par contre, l'endroit est plus sa mère. Hein. Moi, je te ramène mais une jolie... Mais non, t'inquiète, tu comprendras pourquoi. Je te ramène une jolie fille, Nani, qui est prête à tout faire pour nous. Et toi, tu nous trouves un endroit pareil. Et heureusement qu'elle est bête et qu'elle pense pas... Ouais, mais lui, il est encore plus con qu'elle, t'inquiète. Ouais, je sais, mais elle aurait pu fuir en voyant l'endroit. Merci, Nixon TV. Putain, il est long, Ronald. Je croyais qu'il avait la dalle, ce connard. Il va péter sa tête quand il va voir la gonzesse qu'on lui a ramenée.
Non, il arrive quand? Cazo? Ouais. Il arrive quand? Il arrive. Okay. T'es bourré? Bah non, pourquoi je serais bourré? Je bois pas d'alcool, sinon je vais mourir. Je me dis, il arrive quand? De manière comme si t'étais ivre. Non, c'est parce que je suis excité, là. Il m'a dit qu'il était là dans 3 minutes. Arrête de crier, connard. Venir à vélo ou quoi, putain de merde? Ah, mais je suis con, tu parles là. Non, t'inquiète, Tania, on va être riche, t'inquiète, c'est 3 minutes avant la vie de rêve. Ouais, faut souffrir pour être belle. Belle. Ah, ok, parti. Gueule, putain. T'arrives. Heureusement qu'il pleut pas, hein. Regarde ton téléphone. Ok. C'est un truc de ouf. Il s'est passé tellement de trucs ce soir. Je suis devenu dealer d'alcool, de drogue et proxénète. Elle est vraiment belle. Bah c'est le but hein, si tu veux que ça marche. Je crois que je suis amoureux. Non putain, ta gueule, quoi. Non, on a besoin d'argent. Pas d'amour dans le business, c'est la rue. C'est ça. Maxime Rudy. D'ailleurs, faudrait que je te présente un trix. Si okay. Tu veux trouver d'autres proches de business. Ok, mais surtout, on part amoureux. Ouais, non, t'inquiète. T'imagines le plus marrant, je tombe amoureux de toi. Arrête. Bon putain, il en met du temps, l'autre clochard avec sa tête. Qu'est-ce qu'il est moche, sérieux. J'ai peur qu'elle soit effrayant en voyant son visage. Il est pas moche, il est effrayant. T'es mannequin à côté, toi. Qui est vraiment moche, hein. $5,000 pour un date avec lui, putain. C'est l'arnaque du siècle. T'aurais dû la payer 150 000. Oh, t'es là? Oh, Cazo. Connard. Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais, bah tu m'as pas entendu. Non, je t'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, il est vraiment moche. On a payé que $5,000 pour faire un date avec lui. Ça mérite au moins 150 000. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais quoi? Je vais te le dire. Ouais. Répète après moi. Ploum ploum tralala. Non. Si, vas-y, répète. Ploum ploum tralala. Ploum ploum tralala. Y'a qu'un archi qui vaincra. Ok, si. Tu me fais la gueule? Non. Pourquoi t'as pas dit y'a que l'anarchie qui vaincra? Y'a que l'anarchie qui vaincra. Si. Bon, vas-y, il arrive quand ton pote là? Il arrive, t'inquiète pas. Il est là. Il arrive là. Ne dites pas qu'on voit mes pieds, les gars. Si elle me le dit pas, Tania, je veux pas le savoir. Psst, il est là. Oh putain. Je stresse. Oh, si. Parce que lui, il vient, il m'a dit qu'il venait armé. Au cas où il y avait une merde. Oh putain, ma gueule. Oh, y'a Tobias, merde. Oh merde, ça c'est les problèmes. Ok, tu me suis maintenant.
regarde. On va se passer comme le brain. Viens, Tommy, viens. Bonsoir. Être Mélissandre, bonsoir. Oui, sérieux, mais... Okay. Voilà, très enchanté. Ok. Moi, c'est Ronald. Ah, attends, y'en a un qui a un point de vue sur nous. Répétez, oh putain. J'ai dit, moi, c'est moi, être Ronald. Putain, y'en a un qui s'assoit. Ronald, être ami de Gazo. Et ah oui, Ronald, moi, être là. Vous oui. Savez, asseyez-vous. Ok, asseyez-vous, là, on pourra pas entendre le temps. Carrément. Putain, ils sont deux. Très bon. Et c'est vrai que toi cuisiné ça. N'y est pas avoir cuisiné. Mais c'est quoi ça dit? N'y est, ça veut dire non. Comme tu veux. Dis non alors. Vas-y, je te laisse. Asseyez-vous. Vas-y, comme si c'était fini. Écoutez, je suis très enchantée de vous rencontrer, monsieur Ronald. Moi, très enchantée également. Putain de merde! Ça me saoule! Je préfère rester debout, d'accord? Ok, pas problème, restez debout si vous vouloir. Allez, carrément. Et toi, ça veut dire qu'est-ce que tu connais Gazo de où? Qui, Gazo? Ah oui, Gazo, oui. Gazo, être très bon ami à moi. Elle a dit que j'étais son ami. Arrête ta gueule! Et vous, être très bon ami à vous aussi? Je suis la comédienne, t'aimes pas! Ouais, ah, carrément. Okay. Hein, Jared, je pensais que j'avais une touche. Gazo et moi, c'est les mille cons assemblés. C'est le meilleur pote du monde. Carrément, ouais. Tout le temps, la rigolette en train de taquiner et tout. Ouais. Ensemble, des vrais déconneurs ensemble. Hein. Être un point commun entre nous, alors, Gazo. Ah oui, c'est vrai. Ce sale menteur de l'héritier qui détestait. Oui, être super drôle. C'est un connard. Avec ouais. Bidon. C'est sûr, c'était quoi? Bidon, c'est quoi, c'est ouais. Tu vois, c'est être bidon essence. Hein? Ah, pas avoir fait tout le de magie? Non, carrément pas, il m'a caché un truc ou quoi? Non, pas du tout, être tour de magie pour faire boum. Faut que j'aille les tuer ou pas? Non, je vois pas du tout. Ah, t'es ok. Blé, il m'a caché celui-là. Et... Ah, pas problème. Oui, carrément, oui. Après, moi aussi, je suis un gros déconneur. Hein. Moi, c'est tout le temps la rigolade, hein, Jared? Ouais, ouais, lui, il adore. Moi aussi, avoir beaucoup d'humour. Ouais, racontez-moi une blague. Envoie-lui un message à la conseillère et je vais te faire parler. Racontez-moi une blague. Ouais, carrément. C'est l'histoire de deux grottes qui vont à la guerre. Et puis là, il y a une diarrhée qui se ramène et qui dit ouais, je peux venir avec vous. Et là, les deux grottes, elles répondent la guerre, c'est pour les durs. Elle est pas mal sa blague, Vito. Très très drôle. Ouais, elle est marrante. Carrément, oui, bien ça. Tania, par contre, Tania a eu rendez-vous avec Ronald, pas avec... Pardon, monsieur, très très sympathique, mais moi, préfère Ronald. Incroyable. Ouais, c'est vrai, carrément, Jarod, qu'est-ce que tu fous là, déguerpille? Ah ouais, d'accord, donc ça me jette comme ça, super les potes. Est-ce que t'as entendu Paula? Non, y'a pas de Paula. Ouais, t'es qui va se remettre, on repasse à l'arrière de... T'attends quoi? J'ai dit dégage. Il se fait respecter. Ok, dans 3, dans 2, dans 1 maintenant. Je suis désolé, faut parler comme ça c'est fait. Allez, je t'emmerde. Connard. Pas problème. Tiens, dans ton cul. T'approche pas, gâche. Allez, assieds-toi, Ronald. Oui, carrément. Et ça te dérange pas s'il y a mon clips? Non, pas problème. Mélissandre adorait animaux, okay, surtout bon. Golden Retriever. Il est retourné, t'inquiète. Oui, carrément. Hop, je suis comme ça. D'ailleurs, tu sais pas qu'est-ce que je pourrais lui donner à bouffer parce que le pauvre, je l'ai pas nourri depuis un moment. Pouvoir donner croquettes? Être très bon. Reviens, pour fils de pute, tu vas te cramer. Oui, je trouve que c'est où. Reviens, il y a un chien. Si tu veux, moi, pouvoir aller manger avec toi, amener à l'animalerie la prochaine fois, ton chien. Oui, carrément, carrément. C'est quoi ton numéro de téléphone, de Mélissandre? Mélissandre ne donne pas son numéro le premier soir. Non, c'est pour les croquettes, c'est pas pour les tuer. Elle est bonne. Être toujours passé par même intermédiaire pour voir Mélissandre. Dis-moi, t'as pris quoi de Gazo?
pleure sur mon dos, je vais putain, saigner. Putain, mais tu veux toujours parler de Casso? Non, c'est juste que... Non, c'est juste que je trouve ça bizarre qu'un être aussi crapuleux traîne avec une femme aussi sympa que tu es. Je vais le saigner, bordel. Vous savez, les gens sont beaucoup de ressources cachées. Il faut pas les juger au premier abord. Ils sont pleins Oui, ils sont pleins de ressources, ça veut dire qu'ils sont pleins de secrets. Ok. Non, parce que cette fois, il attaque quand même les gens en traître aussi, après. Enfin bref, c'est vrai, tu devrais arrêter de parler de lui. Et pourquoi toi, tu attaques jamais en traître là. Non, carrément pas. Moi, il y a tout ce qui est fait de la loyauté et le fair play. Merci, Gips. Ah, dommage. Quoi, pourquoi? Oh, pour rien. Oh non, enfin après, ça m'arrive de faire 2-3 coups de Trafalgar. Ah, ok. Être mieux, Mélissandre apprécie ça. Ah ouais, être gars cool, moi, rigolade. Ah là là, adore rigoler. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Oui. J'aime bien boire des sodas, tout ce qui est pas alcoolisé, parce que l'alcool, c'est... Ah, ouais, oui. C'est vraiment pas bon, c'est... Ah ouais, merde. Vraiment, quoi? Bah, être dommage, alcool, être super. Ouais. Enfin, après, je suis quand même patron de la déconne à la fabrique de bière et stockage de bière de Saint-Andréas, donc... Ouais, l'alcool, ah, ça me connaît quand même. Mélissandre adorait boire bière, mais boire que truc pas bon de Irlande, pas savoir quoi, être dégueulasse là-bas. Ouais, moi, carrément dégueulasse. La vraie bière. Ouais, la vraie bière locale américaine. Est-ce que bière que toi faire être aussi bonne que toi tu es beau? Ouais, incroyable. Ouais, peut-être, et carrément, oui. Et oui, tu leur dis qu'elle est super bonne, oui. Après, quand je dis bonne, je parle de la bière, mais il n'y a pas que la bière qui est bonne, quoi. Tu as de l'humour, j'adore. Okay. Ouais, de l'humour, oui. Ok, on pourrait peut-être se revoir pour visiter la truc de bière aussi. Eh, mais carrément, c'est à côté, c'est basé sur Paléto. Oh putain. Paléto, pas connaître. Alexandre, pas connaître, tu viens encore de Santos. Ouais, pourquoi tu rigoles, quoi? Espèce d'enculé, j'ai ramené tous les breakers. C'est une grosse abrique qui est gommée, mais c'est pas une petite entreprise de merde. Saute. Je voulais juste observer. J'ai ramené tous les breakers, je voulais espionner. Ah bah nous, si on voulait espionner. Dis rien, s'il te plaît. Non mais là, ils vont débarquer à 3, on va lui ruiner son rencard, mettre des bruits de paix et tout. Ah ouais, bah vas-y, faites-le vite alors. On parle beaucoup de moi, mais tu fais quoi de la vie? Ah, moi, je suis barmaid au casino. C'est quoi, c'est barmaid? Barmaid, c'est pour faire les cocktails, etc. au bar. Je sers. Tiens, toi, je peux filer un peu à mon clip. Je vois beaucoup de monde, tous les jours, quand je travaille. Mais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui te ressemble. Ah ouais, je crois beaucoup de monde, mais... Ouais, mais après, les gens, ils sont pas super intéressants, quoi. Faut bien les trouver. Exactement, être pas intéressant, être pas charmant, être pas drôle. T'as vu Tobias, oh là là, être ennuyant le travail. T'inquiète pas, ça arrive. Je vais leur ruiner leur gueule. Super saoulant. En plus, j'allais plein de faux, Casino, mais qu'est-ce que je t'ai jamais vu? Ah bon? Être embauché depuis quelques temps seulement, pas depuis très longtemps. Dis-toi que. L'alcool que tu sers, elle est bonne. Mets-le moi celui-là. Champagne, être bon. Oui, mais c'est moi qui ce qu'il fournit, c'est pour ça. Sérieux? Oui, carrément. Tu crois qu'elle a entendu? Putain, ouais, incroyable. Je savais pas que toi aussi tu lèverais champagne. Normalement, bien. Attends, je vais mettre des trucs d'euros. Être différent, être oui, différent bien. Après, comme j'ai dit, on n'est plus qu'une fabrique, hein, et on fait ici du stockage. Ça veut dire qu'est-ce qu'on stocke plein de boissons. J'arriverais même pas à les citer tellement qu'il y en a. Incroyable. Et être différentes bières, n'est-ce pas? Ouais, carrément, on a plein de bières différentes, oui. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup goûter Brasseur. Attends, excuse-moi, je vais juste te faire dégager la racaille. Cristal, t'as rien à faire là. C'est les collègues. Dégage. Oh, putain, regarde, qui me parle pas comme ça.
Désolé Christophe, tu peux me laisser s'il te plaît parce que je croyais que j'ai vraiment que ça aurait beaucoup. Okay. D'accord, pas de soucis. Tu oublieras pas de remplir des bières au Yellow aussi. Ouais, ouais, parce que j'ai envie. Pas attends, parce que tu je vais lui dire de dire que c'est sa femme. Bien sûr. Oui, oui, mais pourrais-tu remplir le Yellow avec des bières, s'il te plaît? Laisse-moi réfléchir. Ouais, peut-être que je le ferai, ouais. Parce que j'en ai envie. Quoi? Laisse mon clip tranquille. Non, elle est un peu folle. Oh merde, la cam est bug. Allez, regarde le message, regarde le message. Oh, Ronald. Putain, qu'est-ce qui se passe? Connasse. Tu as déjà une autre femme dans ta vie, Ronald. Regarde, regarde. Elle m'en passe, ma soeur. C'est une crasseuse, d'accord? Il est vraiment moche, Ronald. Ouais, je te suis. Oui. Ah! Ah! Je suis stressée, putain. Non, je fais rien avec la soeur. Je vais le bien clair. Elle est bouleversée, la pauvre. J'ai cru que c'était. Oh putain de téléphone de merde. J'étais tellement. Il m'a raccroché cet enfoiré. Être pas aimé ton chien, être si beau ton chien. Comment s'appelait ton chien? Oui. Il s'appelle. Il s'appelle. C'est incroyable. Il s'appelle Jules. Jules. Il s'appelle comment? Jules César. Ouais, comme Jules César, empereur de Chine. Empereur de. Ah non, en parle de Rome. Mais putain. Ouais, Rome, chinois, quoi. Laissez-vous. Ah là là, je passe vraiment une super soirée. Plaisir partagé, vraiment. C'est vrai. Eh, carrément, ouais. Tu as quel âge déjà? Ouais, j'ai 23 ans. Pourquoi tu étais quel âge? Ah, être bientôt 22. Putain, il faut. Ouais, c'est fou. Est-ce qu'on a comme point commun? C'est vrai. Ah, tu es né quel mois? Moi je suis né en mai. Putain, mais connasse. Ah, oh, moi je suis né en juin. Wow, c'est fou, c'est incroyable. Si proche. C'est vrai. Et quel jour? Le 8. Oh, wow, moi le 25, c'est si proche. C'est si proche, on est même signe en fait. Encore point commun. Oh putain, le signe. Ouais, le signe, le même. C'est wow, truc de fou quoi. Arrête, ça se passe bien. On dirait que les étoiles se sont alignées et que Dieu a fait. Ouais. Non. Ah, Ronald, j'ai tellement de peine, je suis fatigué. Quand est-ce qu'on se revoit? Eh ben, quand est-ce que tu veux? Oui. Ah, moi, je veux quand tu veux. Très bientôt alors. Très bientôt, moi, avoir besoin, date ou peut-être estimation. Ouais. Quelques jours? Ouais, ouais, attends, je regarde vite fait. Ouais, ou dans 10 minutes, 20 minutes, et si tu veux. Être trop proche, être bien, avoir temps de dormir. Ouais, qui? Pour pouvoir rêver. Mais demain, rêver alors. De toi. Eh oui. Ouais, okay, brinque-le, elle la prend en otage, elle le prend en otage, brinque-le. Non, faites pas ça. Il dit qu'il est disponible à quelle heure? Non, je crois qu'il va falloir que j'aille la chercher en voiture, j'arrive. Demain, peut-être pas demain, il faut que tu aies. Putain, mais vous la connaissez en plus? Ouais, carrément. Ok, on fait comme ça? Elle s'appelle Mélissandre, elle est à cause de lui comme moi du coup. De la même façon que pour cette fois. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, s'il te plaît. Faut qu'on se speed, ils vont la braquer, je crois. Ouais, fais vite. Vas-y, on fait site qu'on va la chercher parce que le rendez-vous est fini et. Non, pas de problème. Moi aussi, j'ai dit beaucoup insultes parfois. Ouais, c'est. J'ai un peu vulgaire, mais ça va quoi. Mais... Oh mais c'est pas que tu gères comme ça. Oh, Ronald ouais, c'est qui? Ah bah, c'est nous. Ah bah, ça fait plaisir de te voir. Ah, bonsoir. Salut, Dame. S'il te plaît, Mélissandre, du coup? Ça se passe bien entre vous deux? Il est sympa avec toi? Mais quoi? Bah, Mélissandre est mon prénom. Ah oui, Mélissandre, évidemment, super, ouais, c'est divine. Mélissandre, tu m'as dit que tu devais rentrer, on te ramène, oui, on te raccompagne, tu as l'air très fatigué. Oui, très fatigué. Bon Ronald, t'as vu maintenant qu'on peut être amis? Ouais, carrément, allez, viens, Mélissandre. Je peux te prendre dans mes bras. Non. Ouais, allez, c'est parti. Au revoir, Ronald, à la prochaine. C'est pas coup dur. Hey, c'est lui, oui. Oh non, vas-y. Il y a pas une souris. Hey, mange-mort, dépêche-toi. Je vais pas t'attendre 10 ans.
Tu le trouves comment alors? Vous foutez ma gueule, putain de merde. C'était quoi ce mec? Ah ouais, non, il est moche, hein. Ouais, il est vraiment moche. Et puis, si t'as dit que je me fouillais dans le nez et que je prends un traître, c'est totalement faux. Non, il a dit des trucs de traître, mais j'ai pas tout compris. J'ai dit oui pour faire plaisir. Non, mais par contre, t'as été incroyable, hein. Si tu fais ça tout le temps, on va finir millionnaire. Sérieusement? Ah ouais, je te jure. Franchement, c'était incroyable. Putain, j'ai peur quand j'ai vu l'autre grognasse arriver, là. Je me suis dit, c'est ah, qui c'était parfait, ça a apporté du piment, justement. Elle va faire tout capoter, j'en pouvais plus. La prochaine fois qu'il voudra te parler, on est t'inquiète. Ok, oh, super. T'as bien mérité tes 5 000 $, en tout cas. Ah oui, au moins le double. Ah, pour l'instant, ça va être compliqué, mais une fois qu'on aura fait du business, ouais. Ok, mais être quel business, maintenant? Dire un peu, Tania. Ok, Tania, est-ce qu'on peut te faire confiance? Bien sûr, être tombe. Ok, être tombe. On veut faire un business d'alcool. Alcool pour le casino? Non, pas pour le casino, mais pour d'autres clients. Ah, pour les mecs super riches du penthouse? Ouais. Putain, tu es fort. Mais okay. Tu dois pas dire. Si tu dis, je vais me faire virer. Et si je me mais fais non, virer, t'inquiète. Bah je vais mourir. T'inquiète, je vais rien dire. Je peux pas me permettre de me faire virer. Donc en gros, ce moi qu'on peut plus. Faire, c'est que à chaque fois que je me suis arrangé avec le mec du penthouse, à chaque fois qu'ils voudront une livraison, bah je leur livrerai de ce que j'ai acheté avec Ronald. Et on fait 50-50. Okay, on fait 50-50, ok. Enfin, on divise en 3 vu qu'on est 3 dans l'équipe. Ouais, bien sûr, 50-50. Et en fait, 50. Grâce à toi, vu qu'il va être amoureux de toi, eh ben on va lui dire de baisser les prix, sinon il pourra plus te rencontrer. Ah, ok, putain. En gros, que c'est un peu... Il va falloir que j'explique ça à mon ami. À qui est l'ami? Non, faut que tu dois le dire à personne d'autre. Non, mais si jamais je dois partir, il faudrait que je trouve une excuse, quoi. Être partir utile. Où? Hein? Un rendez-vous. Avec quel ami? J'ai rien compris. Ok, j'ai juste un copain. Écoute, mais c'est pas un... Non, mais nous, on vient tout te dire. C'est qui ton copain? Il fait quoi? Être un ami qui... Être... Ah, putain, merde, comment dire? Ah, t'es obligé être de nous dire, sécurité... on vient tout te dire. Être sécurité casino. Ok. Bah, on s'en bat les couilles de t'inquiète. Lui. Oui, mais tu lui dis rien, souvent... lui. Non, bien non. Ok. Bien sûr que non. C'est lequel? C'est t'inquiète. Le celui avec les cheveux longs? Non. Être les cheveux courts. Être le beau black avec les cheveux courts. Ok. Ok, moi je m'en fous, tant qu'on fait notre business, c'est bon. Oui, t'inquiète. Et faudra que... au casino, la miss. Non, mais non, elle travaille plus là. Il faudra que tu me couvres quand j'irai vendre. Bah directement au mec du penthouse, ok? Oui, faudra que tu dises, ouais, je... il est en train de nettoyer, truc comme ça. De toute façon, tu sauras mentir. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Et en gros, à chaque fois, on leur vendra de la... on leur vendra tout l'argent du truc et au casino, bah. On leur vend, genre, admettons, ils en veulent 15, on en vend 10 à nous et 5 à eux. Ok, je comprends. Ok, incroyable. Ok, on te dépose où? Dépose-moi en parking, t'inquiète. Ok. Regarde. Vas-y, fais voir. Ouais, pas ouf, hein. T'as perdu beaucoup de vitesse et d'adhérence. Ouais, c'est bon, tu me baises à la conduite, je sais même pas c'est quoi l'adhérence. Ah bah ouais, moi non plus. Ok, merci. Bon, attends, à la prochaine, ça reste tu entre nous. Courant, John. Mais putain, bien mais sûr, ça reste entre nous. Je te fais confiance, à je te fais confiance. On va devenir riche. Oui, on va devenir très riche. Oui, allez, c'est bien, t'inquiète. Vive l'Amérique. Eh hey, mec, demain j'ai un plan sous, ça t'intéresse? Oh, ok, nique sa mère, elle va pas toucher un euro. Elle a pas pris ses 5 000. Okay, on va devenir riche. Je vais lui dire qu'on a vendu 5 champagnes alors qu'on en aura vendu 50. Ouais, qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai un plan sous de ouf là. Ouais. Tu vois là, ce qu'il y a à gauche, c'est quoi? C'est une station service. Ouais, une station service, ouais. Demain, ça t'es chaud ou pas? On met de l'essence partout dans cette station service. Ouais. Les flics vont forcément venir. On leur demande comme rançon à la place de les exploser. À la place d'exploser la voiture des flics. Une rançon de telle somme d'argent, bien sûr, on prend quelques otages. Attends, on m'appelle. Allô? Allô, John? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Talia? Allô? Oui, allô? 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 Ah. Je vais aller acheter de l'eau vite fait. Vas-y. Chez les racailles. Allô, Talia? Allô? John, putain, merde, réponds. Oui, allô, allô, wesh. Oui, ok, être police là où nous étions tout à l'heure, là. Pourquoi où dire aux autres, je sais pas.
cette information revenue, Tania. Hein? Tania a avoir eu information que police arrivait là où nous étions tout à l'heure au rendez-vous avec Ronald. Pourquoi? Pas savoir pourquoi, juste savoir que police arrivait sur place, doit partir. Bah, on est plus là-bas. Amis partir. Ok. Ah oui. Ok, vas-y, je vais leur dire. Ok. Hey, Kazo, reviens vite, Kazo. Appelle Ronald, ouais, c'est urgent. Ok. Appelle Ronald et dis-lui, quoi, Ronald, et dis-lui qu'il y a les flics qui arrivent là où on était, je ne sais pas pourquoi. J'ai ordi de se barrer. Ouais, dis-leur de se barrer vite. Ils sont déjà barrés. Ok, bah c'est bon alors. Ça faut vraiment que j'aille acheter de l'eau. Ouais, 2 secondes. Ouais, hop là.